myself, you know, my CVs and things like that, and those are actually protected already in the old policy and also in the new policy. Safety, financial information of the bank. Here we must mention, though, that certain information, financial information of the bank, are made public, and some of them will be made public over time as well. So that's what we call declassification of information. So some of them are confidential, but at the same time, we also disclose financial information of the bank through our annual report and some specific reports that we found on the website, and some of them are subject to disclosure over time, let's say 5, 10, 20 years, depending on the sensitivity of this information and the interest to the public. Safety, security, these are safety, security related to the bank. So these are information that are deemed confidential. And of course, personal information, pension fund of someone or things like that, on the staff members are actually protected, or a family member's information, house, I mean, wife, kids, and all that. So those are personal information that are not interest to the public. So those will be kept confidential. So anything beyond this list will be made public. Now, specific disclosure regime that you see in this new policy. We have about four groups of documents. These information are detailed in the policy that you have in front of you. We have what we call document prepared jointly with member countries. So the example of such document are the project documents. When you're doing a project, it's a joint document between the bank and the member country. The strategy paper, which outlines the bank's intervention for a certain period of time. And of course, the regional integration strategy paper, country performance, country portfolio performance review. Those type of documents are actually prepared jointly with the country. So they are the ones subject to simultaneous disclosure with the no objection of the country. But in case the country say, I have objection, don't publish it until your board have disclosed, we will do so. And we can only publish it after the board has considered such a document. So it will always be a public document, but it may go before or after the board consideration. The second category is a document prepared or commissioned as a condition for doing business with a bank. Being a public institution, we will require that member countries carried out certain assessment or prepare certain documents as a condition for doing business with the bank. And I think one that we will, and one it was the project audit financial report is prepared by member countries. They prepare it, they submit to the bank, it's a requirement. And then also the environmental impact assessment document. My colleague Anna is here. She's in charge of preparing some of those documents. She will tell you later on in the afternoon also some of the detail and requirement in actually doing this. So such a document that they give to us as a condition for doing business will also be made public only after some internal clearance process that the bank has. I mentioned Anna. Anna's department will have to clear some of those documents and say they are valid, and then we put it on our website. So it's to ensure compliance with the bank policy in such a document. The third one, a document that we say not routinely produced by the bank. Here we mention, we mean here what we call ESW, economic and sector work, some risk management financial document that I mentioned earlier on that could be made public. And of course, some knowledge work and the bank's annual report and on any other development effectiveness report. Those documents will be made public once the board of directors have approved them, or they follow some internal clearance process pertaining to the specific document. Document, the last one is a document produced by a member country and provided to the bank in confidence. So some of them will have to be made public depending on the disclosure regime applicable in the country itself. But if there was no indication of such, the bank will ask the country, I mean the member country, for the opportunity to disclose such a document. So you can see here that we have actually tried to increase disclosure of information, which is in line with one of the key principles of maximum disclosure of information. Now, to ensure that the bank comply with the policy, we have actually, this is the following slide. We have ensured that there are some governance mechanisms in place, which we call a two-stage appeals process. The first one is internal one, and the second one is external one. Now, the key drivers of this I mentioned earlier
it was through, you know, a very engaged civil society which called the bank to be actually, you know, to put into place some accountability mechanism and held the bank accountable in implementing its own policy. And we also have some donor advocacy, very strong advocacy, that led the process of designing this two-stage level of appeal. Of course, in harmonizing with other MDBs that we mentioned earlier, they have this in their policy as well, and we also find the benefits of having it. And what we expect with this two-stage appeal process is that it's going to enhance the credibility of the policy and the institution and also align ourselves with best practices. Now, briefly, the two-stage appeal mechanism I presented to you on the website. The first stage is what we call Information Disclosure Committee. That is internal committee to the bank, which is led or chaired by the vice president here present and include other departments which has a key role to play in disclosure of information. And that committee is the first level of appeal in case the bank deny information to you. So whenever you feel like you're entitled to certain information according to the policy and that information is not made public to you, you have a right to make an appeal to the bank. And the first level of appeal is to direct your request to the IDC, Information Disclosure Policy, and your request will now be will be responded to. Now, in case you still feel that the bank is still denying you information, you know, earlier on, and that was confirmed by the IDC, you have an opportunity to stage a second level of appeal, which is the final one. But of course, there are restrictions, or there are certain areas where the second level of appeal may not be applicable, and those are also described to you in the policy. But essentially, you have two levels of appeal for you to actually, you know, challenge the bank, and in case you feel like you have been denied information with no reason or in violation of the bank's own policy. So it's a very comprehensive the role of the IDC is presented to you, and you will see that also very much detailed in the policy itself, as well as the role of the second level of appeal, which are independent members, I must say. There will be three members of the appeal committee. Two of them will be from external to the bank, so they are external independent people. It could be any one of you here. And one of them have to be appointed by the president of the bank. So you have three members appeals committee, which will have to ensure that the bank adhere to its own policy. So it's very independent, and by its composition already, and then also by the policy itself. Now, quickly, implementation strategy that we have put in place to roll out this policy. Following the approval of the policy, we have engaged in some internal processing, designing, and one of them is the handbook, a staff handbook of the policy, to provide guidance to staff members, step-by-step approach, how to roll out, implement this policy. And that handbook is actually a public document on our website. You can access it freely and see how staff members are actually preparing themselves to roll out this this policy. We have also put in place IT systems internally in the bank to facilitate the implementation of disclosure, so as to ensure the adequate workflow in disclosing such information. And of course, the website has been revamped to facilitate access to information, which is one key part of this new policy, access to information. So you'll see our website have extensive tools for you to access bank information. Of course, the internal communication on a continuing basis is ongoing. So we are training staff members, we are providing awareness internally, because we believe that, you know, unless staff members master the policies, it will be very difficult to ensure a successful implementation. So we'll start with staff members first for them to be very familiar with the policy and be able to roll out the policy effectively. And of course, the in-country and regional consultation that we are doing. And this is the precise reason why we are here today for West Africa. And that we believe also is very essential that we engage with you and come back and feedback with you and hear from you also how you see, you view the implementation of this policy and its dissemination. So this is the fourth one that we have done. We have carried out one in North Africa,
in Marrakech during our annual meeting. This is the third one, sorry. We have done one in Southern Africa in Pretoria, and now this is for West Africa, and we will do a combined one for East Africa and Central Africa by end of this month or early December. So we believe in the value of having this type of engagement with you. Now, the benefit, of course, goes without saying that this policy is meant to benefit you first. So access to information. Get the access to information. Get the information you need to inform your decision-making, and also, of course, to show you how transparent the bank it is. And we believe those are critical for development effectiveness that we do. And you hear much of those futures today during the panel discussion. Now, the issue of access to information I mentioned is a key part of this policy. Before, we used to have a policy that focused on disclosure. But disclosure without access is not effective. So the policy now put a lot of emphasis on access to information, how you get information, you know, and that's how we measure our success in implementing this information. So our website, as I mentioned, has been revamped, very proactive, can do a lot of search, and this afternoon you'll have a presentation by my colleague to tell you about the data tools, IT tools, and all that the bank has put in place, information highway, so that you have all sorts of information that you need. Our field offices, Madame Akinolubade is here, the reserve in Ghana, they are very, very valuable source of information to you, so feel free to engage with them at all time. They have a lot of information to give you. And of course, also some of the other channels that the bank uses to disseminate information also available to you. So we have enhanced the access to information through this policy by providing a wide range of channels by which you can access your information. This is a screenshot from our website. So if you go on the website, you will see venues and tools that are put at your disposal to access bank information. And we invite you to visit the website. Now, another key thing that we put in place is the request, opportunity for you to request information. You may go on the website, find everything, but if you don't, just in case you don't find information, you may request information. And we have tools for you to do that as well on the website by filling out this very short form and tell us whatever information that you request. Just go here and then request information, and we will respond to you. And we are bound by this policy to do so, you know, in a very strict timeline. 5 days to acknowledge receipt, and I believe 20 days to provide you with the information that you request. So use it. Yeah. Now, of course, if you want to contact the team, the disclosure team, you also have a form on the website to give you opportunity to contact for any question or observation that you may have. And then the final slide here. This is not from us. This is the feedback we are receiving for our stakeholders. And this is what we call, there's an institution called Public Watch Fund, and I'm sure most of you are familiar with them here. This is their latest release of assessment of the openness of MDBs. So they have assessed a range of MDBs, bilateral, multilateral, and see how good they are in disclosing information. So we are not telling this story, they are telling this story. So we just wanted to share it. And of course, we'd like to hear from you also early, this afternoon, about your own assessment about the banks. Oh yeah, sure. Now, I'm reminded by the Vice President. I need to tell you the detail, very important one. Now, this is 2013, and we rank number one. Among the MDBs. So that warrants actually some applause. We rank number one after the assessment on around, among the MDBs. So, Seven overall. Exactly, yeah. So number one among MDBs, seven overall, including of bilateral institutions, the USAID and DFID and all that. So this actually tells you that the bank is heading in the right direction. And then, of course, we'll be enhancing further our ranking and maintaining close and strict disclosure regime. This report is accessible on the website. So you can actually access this and have the detail about the ranking. So that's the end of my presentation. I'm sorry if I've been too long, but just to give you a sense of the new policy, particularly the changes, because you have the old policies on the website, but it changes and how that is going to impact the way we interact with you and also facilitate your access to information. So I'm willing to, so that's the end of my presentation.
So we'll break for lunch, and then we'll come back in the afternoon for quick questions and exchange. You may like, I know you may have some questions, but we'll do that after the lunch break. Now, I have to announce the lunch is now, one, and we are back here, 1:45. Can we do that? And of course, it's a buffet lunch. I have an announcement here. It's a buffet lunch in the restaurant here, La Terrasse, je crois. Yeah? And we will lead you through, we'll lead you to the restaurant. So let's be back here in 45 minutes to carry on with our deliberation. Thank you and bon appétit. Dans ce domaine. Alors, pour nous, cette politique de diffusion d'information a été, on le voit de trois façons. S'il y a une diffusion de ce qu'on sait, hein, ce que la banque sait, ça veut dire la connaissance des pays, les statistiques à notre disposition, les informations dont on dispose ou bien les informations qui nous ont été confiées. Donc c'est vraiment ce qu'on sait. Et puis il y a aussi le deuxième aspect, c'est ce qu'on fait. Donc vraiment ce qu'on fait, c'est les opérations de la banque, les projets de la banque, le financement, on en a parlé beaucoup ce matin, le conseil que la banque donne au pays, le partenariat et l'engagement de la banque. Et donc, c'est vraiment ce que fait la banque. Et le troisième axe, c'est comment on travaille. Comment on travaille, ça veut dire nos processus, nos politiques, et puis aussi les solutions de développement qu'on donne à nos pays. Voilà un peu les trois axes sur lesquels on va essayer de centrer un peu la discussion de cette session. Alors, les points à soulever, donc c'est vraiment vous expliquer en quoi les initiatives dont on va vous faire la présentation contribuent au développement du continent, en quoi ça rend efficace nos actions sur le terrain, en quoi ça aide les pays, ou bien ça informe la prise de décision dans les pays, et en quoi ça contribue à la transparence dans les processus et puis dans les décisions, et en quoi aussi ça rend plus redevable et plus inclusif la prise de décision dans nos pays. Alors, sans trop tarder, je vais présenter les panélistes que vous avez devant vous. C'est un panel de choc. Hein, on a essayé de renverser un peu l'équilibre de ce matin. Majorité homme. Désolé. Et voilà. Donc, premier panéliste, on a Madame. Voilà, on a Madame Moussana Neite Avivatou du Niger, qui s'occupe des projets banque de la BAL dans son pays. Elle manque de panélistes, elle a partagé un peu leur point de vue du côté pays sur ce que fait la banque et comment ça les aide dans leur décision. On a également Monsieur Maurice Ouma Odhiambo, qui représente Jamba Resource Initiative du Kenya, qui va aussi partager avec nous du point de vue de société civile, comment est-ce qu'ils voient un peu tout ce que la banque fait dans ce domaine et en quoi ces initiatives contribuent à leurs activités. Alors, il y a aussi monsieur... Bon, juste une seconde. Alors, il y a monsieur Eustache, Yaoui Eustache Akoundé du Bénin, qui est intervenu tout à l'heure, qui est également en charge des projets de la banque dans son pays au ministère, donc il va également nous donner le point de vue du ministère de la gestion publique du pays. Et deux de mes collègues qui sont là, donc il y a Zénab Touré, qui est notre expert principal en question de société civile, donc c'est vraiment la personne en charge de cette question à la banque, et qui va partager avec vous un peu ce que fait la banque dans ce domaine. Et M. Kwaku Louis, qui est notre statisticien principal, qui va également vous parler, démontrer en live les initiatives que la banque est en train de poursuivre pour divulguer davantage d'informations, mettre davantage d'informations à votre disposition. Donc voilà un peu le panel, et je vais servir de modérateur sans trop de prise de parole. Ça, c'est juste une introduction. Allô ? Oui ? Excusez, j'ai une question. C'est une petite motion. Et je voudrais savoir pourquoi toutes ces présentations sont en anglais. Bon. Non, là, on change carrément de décor, là.
Il y a des présentations qui vont être faites en français, rassurez-vous. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai intervenu déjà en français. Et donc, vous savez, c'est un panel vraiment à forte dose francophone, sauf Maurice qui est là. Et lui aussi, il est un peu francophone sur le bord, donc c'est bon. Mais c'est qui est affiché en anglais. Bon, ça, c'est juste l'affiche. Depuis cette matinée, tout est anglais. Désolé. Vous oubliez les francophones, non. Il y a des gens qui doivent aussi, qui comprennent le français uniquement que le français. Ceci n'est pas notre intention. Désolé pour cela. On va essayer de tenir compte de votre observation et puis faire les autres affichages ici en français. Mais comme je vous l'ai dit, ce panel est essentiellement francophone déjà. Okay. Alors, sans trop tarder, je vais passer la parole à M. Louis, de faire sa présentation live sur les initiatives de l'État portable de la banque. M. Louis, vous avez le floor. Merci. Merci, Mike. Et je suis très démocrate, donc le support sera en anglais et je vais parler exclusivement en français. Donc la présentation va porter sur les autoroutes de l'information en Afrique. Je vais commencer par raconter une petite anecdote, sinon une petite histoire. La semaine dernière, nous avons assisté à la conférence économique africaine à Johannesburg. Et le président de la BAD a fait, dans son discours le premier jour, il a fait une excellente présentation. Ça sort du cadre habituel en ce sens qu'il a, commencé par un discours et il a terminé par des images, des faits qu'il a commentés. Et on a discuté beaucoup ce matin sur plein de sujets intéressants. Et la banque est chef de file dans le domaine des infrastructures. Donc, le président de la BAD a montré une image sur un projet, grand projet financé par la banque en deux pays. Et ce projet-là d'autoroute, ça a permis d'apporter des avantages vraiment énormes. Toutefois, en termes de bonnes pratiques, il y avait un problème. En ce sens que il a visité il n'a pas voulu dire le nom, il a visité à la frontière l'autoroute qui traverse entre les deux pays et il a discuté avec le camionneur qui disait que c'est vrai, ils avancent très vite, mais toutefois à la frontière, il y a tellement de tracasseries qu'il y en a qui mettent 3 jours avant de traverser la frontière. Donc un peu, on fait de grands projets, mais les bonnes pratiques, c'est très important. Et donc nous, en tant qu'institution régionale, nous aidons le pays au niveau de la statistique à collecter l'information, à les diffuser, mais il faut de bonnes pratiques. Sans de bonnes pratiques, la comparaison est difficile. Cette présentation, je dirais qu'elle sera en deux grandes parties, sinon en 3 grandes parties. La première partie, je vais vous situer le cadre un peu de ce que, en quoi consistent les autoroutes de l'information en Afrique. Ensuite, je vais vous montrer une présentation vraiment, ça veut dire que vous allez naviguer avec moi sur le site internet, comment extraire l'information, comment partager l'information, et puis comment, en gros, comment utiliser les techniques modernes pour ceux qui sont très versés dans l'informatique, qui ont des comptes Facebook, Twitter, vous serez très gâtés par cette présentation. Vous allez vraiment travaille avec ces données-là, vraiment en live. Et donc, 4 grands points, je vais développer. Qu'est-ce que c'est que les autoroutes de l'information? Ensuite, open data. Open data, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les francophones, vraiment, excusez-moi, mais open data, quand le concept, on a commencé ce concept-là, nous avons envoyé à notre unité de communication, je crois qu'on avait dit ouverture des données. Quelqu'un qui a dit, non, ce n'est pas comme ça. Il faut données ouvertes. Il y avait 9 définitions. Finalement, on s'est entendu, open data pour tout le monde, en anglais comme en français. Et ensuite, je vais parler un peu des avantages qu'on retire du système. Et puis, enfin, on ne peut pas faire quelque chose de statique. C'est vrai, ça apporte des avantages, mais qu'est-ce qui est en cours? Quelles sont les phases pilotes que nous faisons dans le pays? Je vais parler un peu de ça aussi. En termes de des autoroutes de l'information en Afrique, disons que ce système révolutionne le secteur de la diffusion des données. C'est vrai.
Il y a beaucoup d'institutions statistiques qui ont des portails statistiques. Ça, c'est vrai, dans les pays. Mais très souvent, quand vous voulez extraire l'information statistique de ces pays-là, généralement, les gens proposent des données sur les comptes nationaux, sur les prix, mais souvent, le fichier en PDF, si vous voulez travailler avec, qu'est-ce que vous faites? Vous allez perdre du temps pour travailler avec. Et donc, on a innové en mettant, donnant des portails à tous les pays. Ensuite, le projet a deux grands objectifs. Le premier objectif, on veut avoir, dans la prise de décision dans les pays, il faut avoir des données vraiment crédibles, intéressantes, fiables, pour prendre la bonne décision. Si vous avez des données qui ne sont pas fiables, comment vous allez prendre la bonne décision? Et puis ensuite, il faut donner l'accès à l'information statistique. C'est important. Et donc, quand on a commencé ce projet, en 2013, nous avons décidé d'installer plusieurs outils dans les pays africains, tous les pays africains, les institutions régionales et puis les centres de formation statistique. Je crois que mon truc avance très vite. Bon, ce sont les aléas de la technologie. Bon, et ce travail d'autoroute de l'information en Afrique, je voulais le préciser que, comment ça a commencé? Disons qu'il y a d'abord eu, en décembre 2011, il y a eu une grande réunion en Corée du Sud. Au cours de cette réunion-là, c'est là que est né le concept de Open Data. Donc on a demandé à toutes les institutions de vraiment diffuser l'information statistique. Et ensuite, il y a eu une réunion, grande réunion de tous les directeurs généraux de statistiques à Cape Town en janvier 2012, et au cours de laquelle, dans les résolutions, la réunion a demandé à la BAD, à l'Union africaine et puis à la Commission économique africaine de les aider à diffuser l'information statistique. Nous avons soumis une demande au board pour avoir un peu de financement pour adresser pour répondre à cette demande. Et puis, nous avons été encouragés aussi par la nouvelle politique de diffusion de la BAD qui est sortie en même temps. Donc, tout ça, ça a facilité. On a eu un peu d'argent. Donc, début 2013, nous avons commencé à aider les pays. Et donc, pour tous les pays africains, nous donnons quatre principaux outils, qui sont le portail des données, l'open data, un outil pour charger les données depuis Excel dans la base, et puis un portail dédié au OMD. Maintenant, le data M, c'est une phase pilote. On peut en parler s'il y a des questions. Et ce qui est très intéressant avec l'open data que je vais vous montrer, et qui est vraiment extraordinaire, nous étions en mission à Washington, nous avons discuté avec nos collègues du FMI, et ils ont été vraiment très contents de cet outil. Et ils ont demandé à travailler en partenariat avec la BAD sur cet outil-là pour résoudre le problème de tous ces questionnaires multiples qu'on adresse au pays, et chaque institution envoie son questionnaire, le pays doit répondre. Donc maintenant, on a décidé, avec le FMI, on va, plus d'autres organismes, d'utiliser le système de la BAD pour envoyer un questionnaire unique, si vous voulez, et puis les gens remplissent et tout le monde a accès. Et c'est un système vraiment révolutionnaire. Ça, je vous le garantis, vous allez vous montrer tout à l'heure. Donc ça, j'avais déjà parlé. OK. Et donc, en termes d'installation, je disais qu'on a commencé en janvier 2013. Et à ce jour, pour le portail des données, nous avons installé dans 49 pays. Il y a eu quelques problèmes pour ces pays restants que vous voyez. Au niveau de OMD, les pays n'ont pas trouvé vraiment trop utile. Ils voulaient vraiment se concentrer sur l'open data et puis le portail des données, puisque beaucoup avaient déjà travaillé sur le DevInfo, donc ils ont mis ça un peu après. Au niveau de l'open data, nous avons tout couvert. Quelle est la différence entre le portail des données et l'open data? Le portail des données, c'est géré par l'Institut de la statistique ou le Bureau de la statistique. Donc, il collecte l'information et diffuse sur le net. Vous pouvez travailler avec, envoyer des emails à partir des tableaux, tout ça. Une fois que la base de données est actualisée automatiquement, vous avez les outils de diffusion. L'open data, c'est complètement différent. L'open data, c'est vraiment ouvert sur le monde entier. Ça veut dire qu'un pays peut avoir son portail open data, et avec ce portail-là, il peut mettre ses propres données, consulter les données des autres, et ensuite, fait très intéressant, vous pouvez
vous enregistrer, participer à des forums de discussion, même mettre un sujet, par exemple l'agriculture ou l'infrastructure, et puis vous lancer à des partenaires, et puis vous pouvez discuter de ce sujet. Tu vois? Et c'est compatible avec Facebook, Google, Twitter, par exemple, dans le système, vous pouvez vous loguer avec votre compte Facebook ou compte Twitter. Donc, c'est vraiment très impressionnant comme système. Donc, l'open data, je disais que donc il y a une partie galerie et puis il y a une partie catalogue. Donc, vous avez accès à plus de 200 bases dans le monde de données sur différents sujets, infrastructures, agriculture, environnement, où pouvez extraire l'information avec toutes les sources nécessaires. Vous pouvez vous-même, à partir des données, créer vos propres données et diffuser. Il suffit seulement de vous enregistrer dans le système. L'accès, c'est vraiment très facile, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Nous avons fait aussi des portails, comme je le disais, pour tous les pays africains, open data, où ils peuvent vraiment interagir avec tous les partenaires. Bon, ça, c'est. Je vais passer maintenant à la phase démo, et puis à la fin, on va tirer les conclusions. La phase démo, disons que. Bon, ça, c'est le site Labad. J'espère que tous ceux qui sont au fond voient. C'est bon? Donc, quand vous allez sur le site Labad, vous cliquez sur Knowledge, c'est savoir. Ensuite, statistiques. Et puis, il y a Data Portal. On n'a pas le temps. Je ne vais pas développer le portail des données ici. Je vais parler de l'Open Data. Donc, vous cliquez sur Open Data for Africa. Donc, il y a une vidéo qui est là. Vous pouvez déjà écouter la vidéo pour savoir ce que c'est. La vidéo, par exemple. Il y a une vidéo qui est là, vous chargez la vidéo. J'espère que la connexion est très bonne. Donc, il y a une vidéo qui est là. Et donc, je vais avancer. Donc, vous avez tous les pays où on a l'open data. Vous pouvez cliquer pour voir les sites des pays. Donc, voilà, j'ouvre le open data. Donc, il met un peu de temps pour charger, mais ça va charger. Là, je crois que Mac, les choses se déroulent parfaitement. Par rapport à Marrakech, on a eu quelques petits problèmes, mais là, c'est bon. Donc, voilà donc le menu principal, catalogue de données et puis galerie. Donc, ici, voilà, ça donne un certain nombre d'informations. Vous avez tous les pays par grand groupe, ainsi de suite. Donc, je vais sur le catalogue des données. Catalogue des données. Donc, vous avez par grand thème, donc comme vous le voyez, agriculture, ainsi de suite, vous pouvez aller, si vous voulez commencer par P, cliquer ainsi de suite, donc vous avez tout ça. Vous pouvez avoir aussi les données par source. Par source, vous avez la Banque africaine, donc je disais qu'il y a plus de 200 sources ici. Donc disons par exemple, par région aussi, et vous pouvez faire aussi des recherches. Donc disons que, par exemple, je veux prendre une base, je prends par exemple la banque, et puis, je prends une base ici. Je vais sélectionner les données que je veux. Bon. Et puis, ici, par exemple, on me demande quel pays je veux sélectionner, par exemple. Ici, par exemple, pour les pays. Bon, nous sommes au Ghana. On est au Ghana. Donc, je tape. Si vous ne savez pas où c'est situé, il suffit de taper seulement Ghana. Voilà, Ghana. Et c'est très facile. Vous cliquez dessus. Ça passe automatiquement à gauche. Donc ici, les données, c'est ici 2000 à 2013. Je garde ça. Quel indicateur je veux? Par exemple, je veux. Il charge un peu, il met du temps, mais bon. Par exemple, je veux savoir la population. Population. Je tape population. Il ne veut pas me... Hein? Non, il a commencé à venir. Il rêvait un peu, mais bon, ça va. Je tape. Bon. Le clavier est en train de faire des choses. Bon, je prends un indicateur. Par exemple, je vais prendre l'inflation. Sinon, vous pouvez taper automatiquement sur votre... Automatiquement, vous avez le... OK. Ah, finalement, il a réagi avec l'état, mais c'est bon maintenant. Population.
Qu'est-ce que ça donne? Je veux voir sous forme de tableau ou de graphique. Je veux voir sous forme de tableau. Vous cliquez sur tableau automatiquement. Voilà les chiffres qui sont là. Si vous voulez voir sous forme de graphique, voilà, vous avez votre graphique déjà qui donne la population. Suivant les années. C'est vraiment facile à utiliser. Très facile. Maintenant, un conseil. Pour ceux qui veulent, si c'est, vous voulez voir seulement, c'est ce qu'il faut faire. Mais si vous voulez faire des choses plus poussées, sauvegarder, partager, utiliser Twitter, Facebook, là, vous venez ici, vous vous loguez dans le système. Enregistrer. Je fais enregistrer. Et puis, on demande votre email. Vous voyez, comme je vous le disais, vous pouvez vous connecter avec votre compte Facebook, Twitter ou bien votre compte Google, le Gmail. Donc, ici, par exemple, ici, email. Donc, je mets mon email qui est à la machine là. Le truc, le arrobas, le ou bien c'est majuscule, c'est ça, non? Non, ça, c'est ça? Oui. Non, il vient pas. Bon, c'est sa machine, il connaît mieux. Ensuite, le password. Je ne vais pas vous dire mon password. Et puis vous loguez dans le système. Voilà, donc il me reconnaît, voilà mon nom qui est à droite là, qui apparaît automatiquement. C'est vrai que je suis déjà logué dans le système. Donc ce que vous venez de faire, je reprends encore pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai pris Ghana, on peut prendre un autre pays. Hein. Hein? Donc vous voyez, on a toutes les régions qui sont là. On a toutes les régions qui sont ici. Donc, on me propose la Côte d'Ivoire. Donc, je prends Côte d'Ivoire. Et ensuite, indicateur. Indicateur et charge. Donc voilà, vous avez... Ici, il y a une petite histoire. C'est qu'au niveau de la banque... En termes statistiques, il y a des organismes qui vendent l'information statistique. Et donc, on ne voulait pas aller au procès, avoir des problèmes pour diffuser tout ce que nous avons sur nos sites intranet. Donc, intranet, on a depuis les années 63 jusqu'aux projections 2014. Nous nous apprêtons même à mettre 2015 maintenant. Mais au niveau de Internet, nous avons limité à 2012. Là, nous allons pousser maintenant 2013. On nous demande même de mettre 2014, mais bon, on est en discussion là-dessus. On est en discussion. Et ce qui est très intéressant que je veux vous dire, c'est que ce système-là aussi est compatible avec tous ceux qui ont iPad, par exemple. Je vais vous montrer comment accéder aussi à cette information statistique. Vous pouvez télécharger les informations avec votre iPad directement. Donc là, je prends par exemple inflation. En Côte d'Ivoire, donc je prends inflation. Et puis, c'est bon. Je charge, voir sous forme de tableau. Sous forme de tableau. Un petit temps de réponse, mais je suis satisfait de la connexion quand même, c'est bon. C'est vraiment bon. Et sous forme de graphique aussi. On va voir sous forme de graphique. Je n'ai pas pris la nouvelle base, mais bon, il y a plusieurs bases dedans. Donc, sous forme de graphique, il charge le graphique. Et il ne veut pas venir. La Côte d'Ivoire. Bon, c'est bon, le graphique est là. Voilà. Donc, si vous êtes logué dans le système, dès que vous mettez votre login, vous enregistrez la fiche, vous mettez vos informations sur la fiche email. Vous choisissez votre password, que l'administrateur valide automatiquement, vous pouvez faire tout cela, tout ce que je suis en train de faire. Et une fois que vous faites ça, vous pouvez sauvegarder ici. Je vais sauvegarder.
Je vais sauvegarder. Et là, je me demande, pour sauver, il faut forcément un nom. Quel nom on veut donner? Donc ici, bon, je vais dire inflation. Et parfait. Une fois que c'est fait, je sauve automatiquement et dans le système. Maintenant, on va faire un petit test. Donc ici, maintenant, si vous voulez garder l'information à votre niveau, vous avez seul accès. Maintenant, si vous voulez diffuser, vous mettez, vous cliquez sur public au lieu de laisser privé. En ce moment, vous pouvez partager l'information. Je viens ici partager l'information à tous ceux qui ont les mots de passe qui peuvent se loguer dans le système et je peux l'envoyer sur Facebook, Twitter, Google, ben, je choisis email. Email. On va leur donner l'accès accès total et puis on va dire, on va... Qui peut donner son email? Comme ça, on fait le test. Quelqu'un qui a... donc c'est M. Ah bon, ou bien? Tu as ton iPad là? Ok, donc c'est D-I-A-B-Y. Donc voilà un tour de ce que vous pouvez faire et puis même vous pouvez lancer des sujets de discussion, créer vos, par exemple ici en termes de galerie, par exemple, vous voyez, et Madame la vice-présidente, par exemple galerie, on est, chacun peut mettre ses informations. Mais on contrôle pour voir ce qui n'est pas bon. Par exemple, pour les assemblées annuelles à Marrakech, par exemple, il y a des gens qui ont mis des cartes où il y avait le Sahara occidental. Donc, tout ça, on était obligé de l'enlever. donc, voilà. Donc, chacun crée dans la phase galerie. Une fois que vous loguez, vous pouvez créer. Donc, seulement si ce n'est pas bon, on va l'enlever. Donc, voilà. En gros, un peu, on n'a pas assez de temps. Donc, c'est un tour guidé de l'Open Data. Maintenant, pour le Data Portal, ça, c'est... Maintenant, pour terminer la présentation, je dirais que, juste, mon ami Marc s'impatiente, mais je vais aller plus rapidement. Donc, le système qu'on a utilisé avec le FMI, c'est quoi? C'est que, comment nous on fonctionnait jusque-là? Les pays, on adresse une requête au pays. Les pays répondent selon le format différent. S'il y a 10 institutions... Les pays doivent adapter les questionnaires selon chaque institution. Ça pose des redondances, ça pose trop de problèmes. Voilà le nouveau système que nous voulons mettre en place. On utilise le système de la BAT, on donne un format de questionnaire, les gens remplissent automatiquement. Puisque c'est compatible avec le standard SDMA, automatiquement, c'est diffusé partout. C'est diffusé partout, après un contrôle, bien sûr. Et c'est un système vraiment, je vous le dis, très intéressant, révolutionnaire. On l'a testé sur 3 pays, le Rwanda, le Nigeria et la Tunisie. C'est vraiment fonctionnel. Et même avec l'Open Data, vous pouvez créer une base de données en moins de 5 minutes. Donc voilà, il vient de témoigner qu'il a reçu. Et il peut avoir, je lui ai donné tout le contrôle, donc il peut faire plein de choses avec. Donc, quels sont les bénéfices de ce système-là? Au niveau de, je vais aller très rapidement, donc... Les redondances, chaque institution envoie son questionnaire, c'est un peu... Donc, on va harmoniser tout ça, là. Donc, on va mettre toute l'information dans le système de la base et puis chaque organisme vient puiser l'information qu'elle veut. En termes de... Au niveau stratégique, c'est que chaque institution maintenant, on aura accès aux données officielles des pays. Et puis, disons que... Et un fait qui est très intéressant, que je vais vous dire, en termes de qualité des statistiques publiées, il y a deux systèmes qu'on utilise, GDDS et puis le système avancé de standard des données, publication des données, et ce SDDS et puis GDDS. Donc le SDDS, à ce jour, il y a 5 pays africains seulement qui remplissent les conditions. Mais avec ce nouveau système, puisque
Il y a le SDMS derrière, il y a beaucoup de pays africains qui vont avoir, qui vont accéder à cette phase-là. En termes d'harmonisation des données aussi, ça va apporter un grand plus aux pays africains. Et pourquoi on le fait? Parce que si on ne, n'harmonise pas l'information statistique, on ne peut pas comparer. Un pays, par exemple, peut, par exemple, je vous donne un exemple. Hein. La BAD a financé le PCI Afrique. Et donc, on a fait une grande enquête de 2005 à 2007. Maintenant, la deuxième phase est en train d'être faite. Par exemple, on vous dit, par exemple, le taux d'inflation des pays, c'est 7%. Mais il y avait beaucoup de pays, quand on commençait cette enquête-là, il y avait beaucoup de pays africains où les prix étaient relevés seulement qu'au niveau de la capitale. Alors que d'autres, c'est dans toutes les pays, ça couvre le territoire national. Deuxième chose, il y a des pays où peut-être c'est 150 produits seulement qui étaient couverts, alors que d'autres, c'est 600 produits. Comment vous pouvez comparer? Donc, il y a tout ça, l'effort d'harmonisation que nous faisons pour aider les pays. Et maintenant, en termes de, juste ça, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, en termes de qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement, vous allez entendre parler dans les, peut-être dans un an, du Country Situation Room. Ça, c'est quoi? C'est un système, il y a beaucoup de pays actuellement qui parlent de e-governance. Et donc, le Situation Room, ça va au-delà de e-governance. Ça veut dire quoi? Pour tous les décideurs, vous êtes dans un bureau. Par exemple, on vient par exemple au Ghana, on sait quels sont les secteurs clés. Par exemple, il y a le cacao, il y a le pétrole. Donc, pour un responsable, il veut savoir si le prix international du cacao augmente de 10%, si le prix du baril du pétrole augmente de 5%, quel est l'impact sur mon budget, quel est l'impact sur mon PIB? C'est ça que la BAD veut développer maintenant. Donc, c'est un système vraiment chose. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'au niveau des... On veut avoir une vue, par exemple, sur les projets financés dans les pays. Il y a des travaux qui ont été faits déjà au niveau de la Sierra Leone. On peut discuter en aparté, comme si vous voulez. Et puis, on est en train de, il y a des banques centrales et des ministères des Finances qui nous ont demandé de les aider à avoir un portail. Donc, il y a des pays qu'on a aidés comme ça. Et puis, il y a un portail aussi qu'on vient de développer sur le tourisme dans les pays. Donc, voilà, en gros, ce que nous faisons. Je suis très passionné par le sujet, mais le temps est parti. Donc, voilà ce que je peux vous dire, ce que la BAD fait. Merci bien. Donc, la Banque africaine de développement a adopté l'année passée, en octobre 2012, un nouveau cadre d'engagement avec la société civile. Donc, ce nouveau cadre, en fait, c'est une actualisation de la politique de la Banque de collaboration avec la société civile de 2000. Donc, cette actualisation était rendue, ce n'est pas un changement de politique, mais c'est une actualisation pour tenir compte du contexte, parce que cela était rendu nécessaire par le contexte. La vice-présidente a parlé ce matin du contexte changeant de l'Afrique, l'évolution, les mutations qui s'opèrent en Afrique, mais aussi les mutations que la banque même elle-même opère pour faire face aux nouveaux défis sur le continent. Les défis de demande de plus de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance, la banque s'implique de plus en plus sur ces questions. Donc, la collaboration avec la société civile, l'engagement avec la société civile devait être revu pour tenir compte de ces éléments. Donc, ce nouveau cadre d'engagement que je vais vous présenter se fera sur un certain nombre d'éléments. D'abord, je vais commencer par les faits marquants, le contexte qui a conduit à cette actualisation de l'engagement de la banque avec la société civile. Ensuite, je vais vous présenter brièvement les objectifs et les principes directeurs de ce nouveau cadre d'engagement. Et enfin, les éléments constitutifs, les domaines d'engagement sur lesquels la banque en train de revoir sa collaboration avec la société civile. Donc, Mike m'a dit de faire plus vite que Jean-Louis. Je ne dirais pas que c'est la ségrégation, mais je suis obligée d'aller un peu plus vite. Donc, dans les questions, on va laisser plus l'opportunité aux gens de poser des questions pour approfondir les questions sur lesquelles ils veulent des éléments. Donc, quels sont les faits marquants, le contexte dans lequel ce nouveau cadre d'engagement a été élaboré. On vous l'a dit ce matin,
Ce cadre d'engagement était en train d'être revu pour faire face aussi, pour s'aligner à la vision stratégique que la banque était en train de développer. C'est une vision de croissance inclusive dans laquelle les organisations de la société civile jouent un grand rôle. Le contexte aussi était marqué par la révision de la politique d'accès et de divulgation de l'information, où, comme nous l'avons dit ce matin, Mike est revenu là-dessus, la société civile a joué un rôle important. Et enfin, la décentralisation de la banque, qui amène notre institution plus proche des populations et donc des organisations de la société civile qui sont représentatives de ces populations. Donc ça, c'est un certain nombre de faits marquants qui ne sont pas exhaustifs, mais qui ont conditionné aussi cette actualisation de l'engagement que nous avons pris depuis 2000 avec la société civile. Donc le nouveau cadre d'engagement, qui est le processus, qui est l'aboutissement de tout cela, vient pour institutionnaliser la collaboration de la banque avec la société civile. Nous collaborons avec la société civile, mais nous le collaborons de façon par à-coup. Maintenant, nous voulons institutionnaliser au niveau de nos politiques, au niveau de nos opérations. Donc, plus de collaboration, plus d'implication de la société civile au niveau de nos politiques et de nos projets. L'appui, le partenariat avec la société civile pour promouvoir la transparence et les mécanismes de reddition dans les pays, mais aussi pour plus d'efficacité. Parce que, comme vous le savez tous, la participation accroît l'efficacité de nos opérations. À travers ce cadre d'engagement, nous voulons, à la Banque africaine, développer un développement de nos impacts sur le continent. Plus de participation amène plus d'impact parce que plus de personnes sont impliquées, sont parties prenantes des exercices que nous menons. Donc, bien sûr, ça entraîne l'appropriation, mais aussi ça nous permet de toucher un plus large public, parce que les organisations de la société civile sont celles qui sont plus proches des populations à la base. Donc, la transmission de l'information par cascade avec les organisations de la société civile comme un chaînon nous permet d'atteindre des populations à la base, plus grand nombre de personnes, parce que malgré nos efforts pour améliorer la communication sur le continent, nous constatons effectivement que les populations ne sont pas toujours informées de ce que nous faisons et les organisations de la société civile peuvent être un relais important à ce niveau. Et aussi la question de l'effectivité, de l'efficience de nos actions, parce que l'efficacité et de l'efficience pour des résultats plus performants, parce que les organisations de la société civile ont un avantage comparatif en termes de coûts. Ils sont moins chers pour mettre en œuvre un certain nombre d'opérations parce qu'ils sont flexibles, ils ne sont pas rigides comme un certain nombre d'institutions. Ils connaissent le terrain, ils ont une meilleure connaissance locale et ils sont très proches des populations puisqu'ils les représentent. Donc voilà des éléments aussi qui font une valeur ajoutée du partenariat avec la société civile. À travers ce cadre, nous avons un certain nombre de principes de collaboration. Nous allons diversifier les acteurs avec lesquels nous travaillons. Ceux qui ont eu la chance de venir aux assemblées annuelles ont vu que d'année en année, nous changeons parce qu'il y a une diversité d'organisations de la société civile. Nous voulons travailler avec le plus possible d'organisations. Nous n'allons pas toujours inviter les mêmes personnes. Nous n'allons pas toujours impliquer les mêmes personnes. Nous allons essayer de diversifier, mais aussi en diversifiant, en tenant compte des différentes spécificité. Nous allons impliquer les organisations de la société civile des jeunes, des organisations de jeunes, des organisations de femmes, des organisations de médias qui sont ici, des organisations paysannes, des organisations qui regroupent les hommes d'affaires, le secteur privé, etc., etc. Donc nous commençons à diversifier les domaines d'intervention de nos organisations avec lesquelles nous travaillons. Nous allons aussi avoir une alternance entre les organisations de base et les organisations fêtières. Et nous allons, pour cela, adopter une démarche rigoureuse de sélection des organisations de la société civile. Nous allons en mettre en place des critères. Nous avons commencé
Nous sommes en train de conduire actuellement le mapping, la cartographie des organisations de la société civile pour revoir notre base de données sur les organisations de la société civile sur le continent. C'est un exercice qui sera fait dans tous les pays. Cette base de données sera actualisée et nous allons mettre en place des critères de collaboration avec ces organisations qui vont nous amener ensuite à un système d'accréditation des organisations de la société civile avec la banque. Parce que quand on parle, parce que cette démarche rigoureuse et prudente aussi nous amène à avoir une sélection par rapport à des organisations de la société civile avec lesquelles nous avons travaillé, parce que quand on parle de gouvernance, quand on parle de bonne gouvernance, il faut dire seulement que même si les organisations de la société civile critiquent les États, ce n'est pas seulement au niveau des États. Au niveau des organisations de la société civile, il y a un certain nombre de problèmes de gouvernance aussi qui se posent. Donc la banque va être très rigoureuse dans la sélection, dans la collaboration avec ces organisations. Donc ce cadre d'engagement est bâti sur un mécanisme à trois dimensions. La communication, le dialogue et la consultation et le partenariat. Ces trois dimensions vont être prises en compte à trois niveaux. Le niveau institutionnel, le niveau pays ou régional et le niveau projet. Donc voilà les modalités d'engagement que nous avons, sur lesquelles nous nous sommes entendus, la banque et les organisations elles-mêmes. Ça, c'est reflété ici, mais ce n'est pas très visible. Je vais aller niveau par niveau. Au niveau institutionnel, ceux qui sont allés sur le portail de la banque, ce site web de la banque, ont vu que nous avons maintenant un lien. L'idéal serait, après qu'on ait vraiment un site des organisations de la société civile sur le site même de la banque, mais déjà, nous avons un lien sur lequel, que si vous cliquez, vous pouvez avoir un peu les informations sur ce que la banque fait avec les organisations de la société civile. Et la banque a commencé des journées portes ouvertes. C'est ce qu'on appelle les open days avec les CSO. Nous avons commencé dans les pays. À ce jour, il y a 6 pays qui ont déjà organisé les open days. Je peux vous donner les prochaines, très prochaines. Le 6 à Libreville, le 12 au Gabon. La Zambie vient de faire en fin octobre, etc. Donc, il a été demandé à chaque bureau régional, bureau pays. Donc, Madame Marie-Laure nous dira quand est-ce qu'elle va organiser ces journées portes ouvertes, que chaque bureau pays organise annuellement une journée porte ouverte avec la société civile. Ça participe à l'information, à l'accès à l'information, à l'ouverture avec les partenaires non étatiques pour faire connaître la banque. Et nous allons aussi organiser, peut-être tous les deux ans, des journées portes ouvertes au niveau du siège. Avec tous les départements, ça sera vraiment des journées comme une foire aux questions avec les organisations de la société civile qui vont rencontrer tous les départements à tous les niveaux. Ça, c'est un aspect. Nous allons aussi renforcer le dialogue, la communication dans les médias. Ça se fait déjà à travers les newsletters. Nous allons mettre en place un bulletin. La société civile est de plus en plus impliquée aussi au niveau des consultations sur nos documents de politique essentiels. Depuis un certain nombre d'années, vous avez vu que vous êtes impliqués soit directement à travers les discussions comme ça, mais aussi sur le site. Vous avez l'opportunité de vous prononcer sur les politiques que la banque est en train d'élaborer, que ce soit des politiques sectorielles ou des politiques comme la stratégie a impliqué fortement la société civile. Et le partenariat à travers une meilleure connaissance des organisations de la société civile, comme je viens de le dire, la base de données et le système d'accréditation. Et nous allons aussi impliquer la société civile en termes par rapport à leur expertise sur des documents essentiels, parce qu'ils ont un avantage comparatif sur un certain nombre de questions qu'ils ont approfondies. Ils peuvent nous servir aussi comme pairs revue des pairs par rapport à un certain nombre de documents. Donc ça, c'est des éléments, un certain nombre d'éléments importants que je vous cite par rapport à la collaboration aux différents niveaux, mais le document est encore plus détaillé. Mike va vous transférer le document à tous les participants. Au niveau pays ou régional, il s'agira d'impliquer les organisations de la société civile de plus en plus par rapport aux opérations que nous mettons sur le terrain, et de démontrer la valeur ajoutée des organisations de la société civile
au niveau des dialogues, nous allons maintenant de plus en plus convier les organisations de la société civile de façon systématique, comme je l'ai dit, ça se fait, mais ce n'est pas systématique, dans la définition, dans le dialogue pays. D'abord, les Open Days est un fait, mais aussi, ils vont participer à la définition des priorités d'intervention de la banque dans le pays à travers le document de stratégie pays, les documents de réduction de la pauvreté, etc., etc. Et la connaissance à travers le mapping va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance aussi, nous, en tant que banque, des organisations de la société civile au sein du pays qui peuvent travailler avec la banque par rapport à leur domaine de spécialité. Et nous allons essayer de les impliquer dans les discussions avec le gouvernement tant que c'est possible, tant que les conditions le permettent dans les pays par rapport, par exemple, au lancement des projets, etc., etc. Nous allons aussi essayer d'impliquer la société civile de façon systématique au stage, aux différents stades du cycle de projet. Qu'est-ce qui se passe actuellement? De plus en plus, c'est au niveau du rapport d'évaluation. Donc, les organisations de la société civile nous disent que quand le projet est ficelé, c'est à ce moment qu'on les implique. Nous allons essayer, avec la partie gouvernementale, de voir comment, au stade en amont, notamment au niveau de la préparation, comment on peut discuter avec les organisations spécialisées sur la question pour voir un peu comment leur participation peut améliorer le design du projet. Ce nouveau cadre d'engagement renforce des domaines de collaboration qui existaient déjà. La banque collabore avec les organisations de la société civile sur un certain nombre de domaines. D'abord, le renforcement des capacités des organisations de la société civile elles-mêmes, nous le faisons. Nous allons le renforcer au niveau régional, mais aussi au niveau des projets, au niveau régional, sur un certain nombre de questions, de thématiques, pour que les organisations de la société civile puissent mieux appuyer la banque dans ses réflexions sur des thématiques émergentes. On a parlé du changement climatique, qui est un problème effectivement sérieux sur le continent. Sur les questions de gouvernance, sur les questions de sauvegarde, on l'a fait récemment avec la division en charge de la question, etc., etc. Et au niveau aussi des projets, pour que les organisations de la société civile connaissent mieux les procédures et les règles de la banque pour mieux travailler avec la banque. Le domaine dans lequel la banque collabore avec la société civile est par excellence les États fragiles. Comme on le dit, un État qui est fragile, c'est un État où les institutions en général sont faibles. Donc les organisations de la société civile ont suppléé l'État dans un certain nombre d'États fragiles, surtout par rapport aux situations d'urgence et surtout par rapport à la délivrance des services sociaux de base. La banque a utilisé ces organisations de la société civile, notamment les ONG, pour répondre aux besoins urgents des populations. Donc nous allons renforcer cette collaboration. Avec le département en charge des États fragiles, nous sommes en discussion pour voir comment nous allons renforcer le partenariat dans ce sens et renforcer les organisations de la société civile dans les États fragiles, déjà. Et nous allons voir comment aussi, par rapport dans les projets, comment nous allons renforcer les discussions avec eux pour une efficacité des opérations qu'ils entreprennent. Un autre domaine d'excellence de collaboration avec la société civile, c'est notre système environnemental et social, de sauvegarde environnementale et sociale, où la banque a travaillé avec les organisations de la société civile pour les procédures que nous venons de finaliser. Ils ont été partie prenante de tout le processus, mais au niveau des projets, les organisations de la société civile seront des partenaires importants pour nous permettre de vérifier un certain nombre de faits sur le terrain, notamment l'acceptation, les impacts de nos activités sur les projets, les populations touchées par nos projets, vérifier si ces populations touchées ont été vraiment une compensation. Je crois que ce matin, on parlait des compensations, mais comment elles ont été effectivement, elles ont eu ces compensations, et s'assurer que, mais aussi les emprunteurs, que ce soit l'État ou le secteur privé, respectent les règles environnementales et sociales, les mécanismes que nous avons mis en place. Donc, les organisations de la société civile peuvent nous servir aussi de levier, de relais pour nous remonter un certain nombre d'informations.
Et enfin, le mécanisme indépendant d'inspection, qui est le mécanisme indépendant d'inspection, qui est un mécanisme qui, par excellence, travaille avec la société civile. Je crois que beaucoup de gens la connaissent déjà, les acteurs de la société civile qui sont présents dans la salle. La société civile est un intermédiaire important dans la remontée des plaintes que des populations sur le terrain. Mais aussi, ces organisations de la société civile peuvent nous aider à mieux comprendre les fonctions et le mécanisme indépendant d'inspection et appuyer les populations à développer, à renforcer les capacités pour un dialogue et des négociations avec la PAN dans le cas où des populations se sentent lésées par un certain nombre d'opérations au niveau de la banque. Donc voilà un peu les domaines de collaboration, des domaines de systématisation et le renforcement des domaines traditionnels de collaboration. Et maintenant, peut-être, je vais vous parler des étapes actuelles sur lesquelles nous sommes. Donc, comme je vous l'ai dit, le document a été adopté en octobre passé. Nous sommes à un an. Nous avons conduit depuis lors un full assessment de la collaboration de la banque avec la société civile. Nous venons d'avoir le rapport qui va suivre les procédures internes de la banque. Et ça nous a illustré sur un certain nombre de choses. Et c'est ces éléments qui vont nous permettre de bâtir notre plan d'action, parce que ça nous permet de voir des niches d'opportunités, des niches de collaboration, là où nous avons été faibles, là où nous avons été forts pour renforcer, mais par quoi nous allons commencer en priorité. Donc ça, c'est un document qui nous a vraiment éclairé comment nous allons bâtir notre collaboration dans les 3 ans à venir, le plan d'action que nous allons mettre en place à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Nous avons aussi commencé le mapping. Nous sommes là-dessus. Nous allons vraiment faire ce mapping pour aboutir à une base de données, mais aussi à un système d'accréditation. Accréditation pour participer à nos activités, les annuels meetings et tout, mais aussi accréditation pour participer à nos opérations. Dans un pays donné, quelles sont les organisations qui peuvent être accréditées au niveau du pays pour participer aux activités, pour implémenter un certain nombre d'opérations, comme faire au niveau des pays. Donc, nous allons mettre en place ce système. Et, comme je l'ai dit, nous allons mettre en place le plan d'action. Mais aussi, au niveau interne à la banque, ce que nous allons faire, c'est comment développer des outils pour une participation de la société civile. Parce que nos collègues nous disent à la banque, comment impliquer, quels sont les guidelines pour impliquer les acteurs de la société civile quand je fais un DSP, quand je fais un projet, comment on peut nous outiller. Donc, nous allons travailler sur un certain nombre d'outils que nous allons mettre à la disposition des départements sectoriels et régionaux. Et nous allons renforcer les capacités aussi au sein de la banque pour l'utilisation de ces outils. Donc, voilà un peu les chantiers futurs sur lesquels nous allons travailler, que nous sommes en train de travailler, sur lesquels nous allons poursuivre en 2014. Donc, merci pour votre... Alors, c'est une présentation que je ne suis pas censé faire normalement, hein, parce qu'on a des collègues en charge de ces questions de transparence, mais comme ils n'ont pas pu faire le déplacement, donc on m'a demandé d'essayer de faire cette présentation à leur place. Alors, vous vous rappelez ce matin qu'il y a eu il y a eu des échanges autour de la question de résultats. Donc, Madame la vice-présidente a même démontré un peu comment est-ce que la banque a mis en place tout un cadre de mesures des résultats, des impacts des opérations de la banque. Donc, cette présentation va essayer un peu de restituer un peu ce cadre-là. Alors, voici un peu le outline ou le sommaire de la présentation. Donc, les initiatives que la banque a mises en place pour renforcer, encore une fois, la transparence et la redevabilité dans ses opérations. Donc, il y a ce qu'on appelle International Aid Transparency Initiative, auquel la banque a souscrit. Il y a le geocoding, qui est une initiative de la banque qui essaie d'utiliser la technologie, comme Louis vous a montré, pour aller vraiment mettre l'accent sur le projet au lieu ou à l'endroit vraiment où se trouve ce projet. Donc, vous amener de manière visuelle à démontrer les résultats de la banque sur le terrain. Donc, c'est un outil très, très, très avancé et on est en train de faire des phases pilotes en ce moment. Bien évidemment, il y a le portail de résultats, donc Result Portal, qui est sur le site web de la banque, donc ouvert au public. Et on va essayer de partager un peu avec vous ce qu'on pense être les bénéfices
de cette initiative avec vous et aussi pour la banque et enfin terminer avec les progrès dans la mise en œuvre de ces initiatives. Alors, la banque est très engagée en tout ce qui concerne vraiment la diffusion de l'information au public et en ce qui concerne les allocations de ressources et aussi les résultats dans ces opérations de développement. Alors, tout ça, cet engagement de la banque est également résulte un peu du contexte international, encore une fois. Il y avait, pour certains d'entre vous qui sont au courant de ça, il y a l'Accra Agenda for Action, hein, qui a été adopté en 2008, ici à Accra, qui énonce un peu les engagements des bailleurs de fonds, des bailleurs de fonds d'institutions internationales en matière de transparence, et ce qui a abouti au lancement de ce qu'on appelait IATI, donc International sur la transparence. Également, il y a eu, donc, en fait, cet engagement de la banque a été adopté finalement en avril 2011 et qui a résulté à un certain nombre d'initiatives que la banque a mises en place. Il y a aussi, comment ça s'appelle, le multi-stakeholder initiative de la banque qui, en gros, résulte à élargir un peu le champ d'action de collaboration de la banque avec la société civile, ce que Zena vous a expliqué tout à l'heure, et bien évidemment encore le Open Data Platform que Louis a présenté. Donc vous voyez que toutes ces initiatives ont été regroupées, renforcées dans le cadre de l'engagement de la banque sur le Accra Agenda for Action, qui a vraiment regroupé toutes ces initiatives. Alors ça a donné une plateforme d'engagement de la banque et puis une plateforme de communication et de démonstration des résultats de la banque attendus. Et donc c'est en fait centraliser de manière cohérente et harmonisée et les données de la banque en ce qui concerne ses activités et également les données des pays. Donc, par le biais du site de la banque, on aura accès non seulement aux données de la banque, mais aussi aux données des pays mises à disposition, ce que Kwaku vous a montré tout à l'heure. Également, ça nous permettra d'être plus efficaces dans nos interventions et donc aussi être plus orienté vers les résultats. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, mais l'aspect résultat est vraiment l'essentiel. Et c'est par là qu'on arrive à mesurer l'impact de ce qu'on est en train de faire et puis l'impact de toute action de développement menée par la banque. Alors, bien évidemment, ça aussi contribue à l'amélioration de la gestion des bases de données, qui aussi, en termes de qualité d'information, est essentielle. Alors, les bénéfices attendus pour les parties prenantes, donc les clients de la banque, c'est que, pour une fois, ils auront plus grand accès aux informations en ce qui concerne l'aide au développement, donc les dépenses publiques, aussi les dépenses ou bien les investissements de la banque en matière de financement, et également permettre une meilleure utilisation et puis une meilleure compréhension de cette donnée. Donc, Louis vous a parlé de l'harmonisation des données, de la qualité des données, et donc tout ça permettra au pays d'avoir accès à une information de qualité en temps réel sur les dépenses publiques, aussi les dépenses d'investissement de la banque dans le pays. Ça permettra également d'améliorer la gestion et la redevabilité dans le pays, surtout les pays qui reçoivent l'assistance de la banque. Et donc, encore une fois, la société civile, les parties prenantes auront accès à ce genre d'informations qui va rendre les gouvernements plus responsables, plus redevables envers les citoyens, surtout en ce qui concerne la gestion des fonds publics et aussi la gestion des fonds alloués par la banque à ces pays-là. Donc, en fait, c'est un instrument qui permettra vraiment de demander au pays de rendre compte de comment est-ce que ces fonds sont utilisés. Et aussi, ça permettra une plus grande efficacité dans le suivi. Il y a eu ce matin beaucoup de chances sur le suivi. Les mécanismes de suivi de la banque, quels sont les mécanismes que la banque met en place pour faire le suivi des projets. Et je suis content que madame sur le panel qui va nous parler tout à l'heure de l'expérience du Niger. Et donc, à travers ces instruments de la banque, on voit à peu près ce que la banque est en train de faire pour faciliter le suivi-évaluation de ces projets financés dans le pays. Alors, donc, il reste 3 ou 4 slides, hein, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, donc ça, c'est à titre d'exemple pour vous montrer comment est-ce qu'à travers ce mécanisme, ces initiatives, la banque essaie de cibler les endroits vraiment où on peut avoir plus d'impact. Alors, ces 2 cartes, vous voyez du côté gauche, ce qui est un peu plus vert, et c'est là où la banque a plus ou moins ciblé les pays ou les régions qui vraiment demandent beaucoup plus d'assistance de la banque.
Et là, quand je vais cliquer, là, ce qui va venir après, vous allez voir, il y a une fusion de ces deux cartes qui montre vraiment comment la banque cible les endroits sensibles, les endroits où il y a plus de demandes, ça veut dire plus de pauvreté, ou les endroits où il y a plus de besoins des projets de développement. Et donc, à travers le géocoding, à travers ces initiatives, la banque peut cibler davantage ses actions et puis rendre plus efficaces ses actions dans ces domaines donnés. Alors, à titre d'exemple, je pense que le projet de pilote que j'ai mentionné, on avait pris l'exemple du Malawi, le Malawi qui est en Afrique australe. Et alors, donc, à travers cet instrument, le géocoding de la banque, on a essayé de cartographier toutes les interventions des bailleurs de fonds, que ce soit bilatéral ou multilatéral, dans le pays et dans les régions où se situent ces genres de projets. Donc, vous voyez les points jaunes, bleus, rouges, qui donnent un peu un aperçu sur ce que fait chacun des bailleurs de fonds dans ce pays. Donc, à travers cet instrument, on peut voir où intervient la Banque africaine de développement dans le pays, où intervient, par exemple, la BADEA dans le pays, où intervient le FAO, ou bien la GTZ dans un pays donné. Et donc, à travers ce mapping, cette cartographie, vous allez voir quels sont les domaines d'intervention et puis les régions d'intervention de ces pays. Et ça permettrait un peu de coordonner un peu les activités et puis aussi de donner un accès plus fiable d'informations et plus ouvert en ce qui concerne le partenariat des bailleurs de fonds avec les pays respectifs. Donc, c'est un élément très, très, très important, très puissant comme outil qui permettra à tout un chacun d'avoir une visibilité énorme sur l'engagement de son pays avec les bailleurs de fonds. Alors, le résultat, le portail du résultat qui est ici disponible sur notre site web, donc le géocoding dont je vous ai parlé, vous permettra effectivement d'avoir accès jusqu'au niveau projet dans les régions aux résultats en temps réel de nos projets, et puis visualiser au niveau continental aussi tout ce qui se passe dans le continent à travers la carte du continent. Et bien évidemment, un engagement plus rénératif, plus dynamique des citoyens avec leur pays. Alors, voici un peu comment ça se présente sur le site de la banque. Donc, ça, c'est disponible sur le site de la banque, le Mapping for Results. Donc, vous allez voir, vous cliquez sur votre pays ou sur une région donnée, vous allez voir à peu près quels sont les résultats de la banque dans un secteur donné, dans une période donnée. Et donc, vous pouvez voir le nombre de kilomètres de route qu'on a réalisé, le nombre de populations électrifiées, ou bien le nombre de... tout ce qui est raccordement électrique ou bien télécommunications dans les pays. Donc, voilà un peu ce que ça vous donne comme un aperçu sur le portail de résultats de la banque. Donc, on vous encourage vivement à aller visiter ces portails qui sont à votre disposition. Et encore une fois, en termes visuels, vous verrez également, et là c'est dans une région donnée, donc ça c'est le Rwanda, à titre d'exemple, Kwaku l'a mentionné tout à l'heure. Donc le Rwanda, vous pouvez voir les projets, les différents projets de la banque, où se situent ces projets. Et quand vous cliquez sur un projet donné, vous allez voir les résultats déjà obtenus par ce projet. Donc ça c'est un outil innovant qu'on n'en avait pas avant. Et donc ça répond un peu aux questions qui ont été demandées ce matin. Comment faire pour mesurer l'impact de ce que fait la banque? Et là, ces outils sont à votre disposition. Vous pouvez à tout moment les consulter. Et enfin, un projet donné. Donc, on a quitté du continent, région, pays et niveau projet. Donc, on descend au niveau du projet, on clique sur un projet donné. On a un peu envie, en termes visuels, le nombre de populations bénéficiaires, les dépenses sur ce projet et puis également les outputs du projet. Donc, en quoi résulte l'assistance de la banque. Donc, vous pouvez voir tout ça sur le site web de la banque. Donc, vraiment, vous avez accès à une technologie très, très facile à utiliser, mais qui vous donne vraiment des informations non disponibles auparavant sur ce que fait la banque dans le pays. Alors, pour terminer, le progrès à ce jour, donc depuis avril 2012, qu'on a signé les IATI, on a renforcé notre engagement dans IATI depuis décembre 2012. Une première publication des données IATI a été réalisée par la banque en 2013. Et donc, alors là aussi, on a une bonne nouvelle à partager.
c'est qu'en termes de publication de données aïatiques, qui sont très rigides, donc ça veut dire le standard, il est très élevé en termes de qualité de données que chaque bailleur de fonds est demandé à publier dans le domaine public. La banque a été l'institution numéro un à publier les données du secteur privé. Et ça a été fait au mois de juillet. Et donc ça, c'est sorti dans DEVEX, pour certains d'entre vous qui sont abonnés au DEVEX. Et donc la banque a été la première institution à publier les données standard IATI sur le secteur privé. Et donc nous en sommes très fiers de ça. Et tout ça, c'est dans le cadre de notre engagement dans une plus grande diffusion et transparence dans les opérations de la banque. Et bien évidemment aussi septième, comme on a dit ce matin, sur What You Found, A Transparency Index. Et aussi, on est en train de avancer sur le projet pilote de geocoding depuis le mois de juin 2013. Alors, ce projet pilote va couvrir un certain nombre de pays et après, ça va être généralisé sur tout le continent. Donc, on sera amené à cliquer sur un pays donné, avoir les informations sur les résultats de la banque, les projets et les bailleurs de fonds engagés dans ce pays. Voilà un peu ce que... Alors, je reviens encore avec cette image. Je pense qu'on peut en être très fiers. Qui démontre le résultat obtenu par la banque en matière de transparence. Et donc, ça termine la présentation. Je vous remercie. Ça va nous aider beaucoup dans notre pays pour la création de la base de données, avoir des données statistiques à tout moment et à n'importe quel moment. Et par rapport à la société civile, donc au Niger, il y avait eu un atelier sur le mécanisme indépendant, puisque on avait une méconnaissance du mécanisme indépendant d'inspection. Il a fallu en 2012 pour qu'on se rende compte qu'il y a un mécanisme indépendant d'inspection à la BAD. Donc, après l'atelier, on avait eu des échanges avec ceux qui ont organisé l'atelier pour pouvoir faire une restitution à l'échelle nationale de l'atelier. Mais malheureusement, vous savez, il y a les moyens qui manquaient pour faire la restitution. Vraiment, madame, je vous félicite beaucoup. J'ai vu qu'il y a une très grande avancée dans le domaine de la société civile en rapport avec la BAD. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, très intéressant. Je pense qu'on va continuer cette discussion. On est content de savoir que par cette présentation aujourd'hui, donc vous avez découvert qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites et que ça va permettre une plus grande interaction avec la banque. Alors, M. Yaoui Estache Rakoulé, vous êtes chef de division à la direction générale de l'investissement et du développement au ministère des Finances au Bénin. Ministère du Plan. De votre point de vue, quelle est l'impression que vous avez, en quoi tout ça, ça peut vous aider et dites-nous un peu comment vous voyez l'utilité de tout ce qu'on vous a fait. Merci. Je voudrais d'entrée dire que la Banque africaine de développement est un partenaire privilégié pour le Bénin, partenaire privilégié au regard des opérations qui sont financées au Bénin et des acteurs avec qui nous travaillons. Je voudrais ensuite dire que les outils qui ont été développés tout à l'heure, à partir de Open Data, j'avoue que c'est pour la première fois que j'entends parler ici. Je pense que ça me sera d'une grande utilité, car vous savez, on dit souvent que celui qui a l'information a le pouvoir. Par rapport à l'implication de la société civile, c'est aussi une très bonne chose. Ça permettra à coup sûr de favoriser la transparence dans la mise en œuvre d'un projet, car la société civile, au Bénin comme partout ailleurs, c'est une veille, c'est une vigile aux côtés des États pour empêcher que les fonds mis à la disposition des partenaires au développement soient dilapidés.
Puisque je sais déjà des mécanismes de diffusion qui existaient, puisque je sais, vous avez la balle, pour avoir eu à travailler avec la banque jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a pas mal de... Bien entendu, le site web de la banque, sur lequel on peut trouver la publication de beaucoup de rapports. Sur le site, il est également posté les stratégies pays. Il y en a de même pour les bureaux pays. C'est aussi une politique de division d'informations. Vous allez constater, le constat est que les pays dans lesquels il n'y a pas de bureau pays, il y a beaucoup plus de difficultés à avoir accès à l'information, beaucoup de difficultés à que le projet marche bien. Et c'est ce qui a fait que le Bénin a commencé depuis 2008, solliciter l'ouverture du bureau pays. Mais malheureusement pour nous, le Togo étant un pays fragile, nous a ravi la vedette. Mais toutefois, on a mis à notre disposition les communes pays avec un travail de M. Daniel Doy. L'autre politique de mécanisme aussi, on peut parler aussi des gouverneurs et des administrateurs suppléants qui sont là aussi pour la diffusion de l'information. En ce qui concerne les politiques de transparence dont j'ai connaissance, qui existent, qui sont mises en œuvre, je peux parler aussi des outils d'évaluation, de suivi d'évaluation mis en place par la banque. Il s'agit entre autres des missions de supervision. J'avoue que le Bénin en 2009, le Bénin a 19 projets, 19 opérations dans le portefeuille. 19. En 2009, il y a eu une restructuration du portefeuille parce qu'il y a beaucoup de projets dont la durée dépasse déjà 7 à 8 ans qui pompent la performance du portefeuille. On a présenté une restructuration. Et actuellement, nous avons 9 projets en bon état qui sont contenus dans le portefeuille. Donc, en dehors de cette revue, puisque c'est une revue qui a permis de faire cette restructuration, en dehors de cette revue, il y a la mission de supervision, au moins un projet deux fois par an, un projet de mission de supervision. Ensuite, nous avons les outils, les rapports d'audit. Figurez-vous que si les rapports d'audit ne sont pas faits à temps, il y a suspension des frais de roulement. Un autre instrument, c'est aussi les rapports d'élaboration par le DSP. Le DSP, pour le Bénin, nous l'avons commencé depuis 2009. On l'a terminé en 2010. Ça a été signé. Donc 2012-2016, le document de stratégie pays. Donc je crois qu'il existe beaucoup de mécanismes de diffusion et de transparence au niveau de la PAD. Et ça facilite, au niveau des projets financés par la BAD, nous avons beaucoup de problèmes à l'achèvement des projets. Il y a l'autre chose que j'oubliais, le rapport d'achèvement des projets, qui permet de faire le point du rapport ex-post, qui permet de faire le point, l'impact de la mise en œuvre du programme dans le pays. Donc je pense que ce que nous voulons de faire ici avec les nouveaux instruments, ça constitue un plus. Pour rendre plus efficace, pour rendre plus visible les opérations et la transparence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et là, on a eu quelques bonnes nouvelles, malgré le fait que pour certaines initiatives, c'est la première fois que vous êtes exposé à ce genre de choses. On dit qu'on ne fait pas bien notre travail, mais les diffusions, mais on va certainement y remédier. Alors, before giving the floor to the public, I'm going to ask Maurice to give us also some feedback about the presentation that you have heard from where you're sitting, from your work, and tell us how useful all this has been and your experience in engaging the bank in this domain. Maurice, over to you. Thank you so much. I would like to start by saying that the advent of the coming up of civil society organization in late 1990s was because of the failure of the governments to take care of the citizens. Having come with the civil society coalition on the FDB, was that because FDB was not disclosing enough?
In 2009, when we came up with this coalition, which has led to the great presentation by Egenev here, we decided then that we want to engage the MPB, the bank, on issue-based, so from the point of none. So we decided to do a research on the practical implementation of the disclosure policy, which we did in April of 2009. Then when we met in Dakar is when the coalition came into being, and we decided to start engaging the bank on issues, not just, if it is a matter of consultations, it is not a box ticking, but actually engagement, a consultation. So we have been engaging with the department, which Zeynep leads, and maybe is why she has given such a great presentation. On issue of the portals, we recommended some times back in 2010, March in Tunis, that because it is difficult to access information in the website, why is it not possible that each project have all documents in one window? And we still do not see that in the site. So if it is a matter of accessing, disclosing and accessing, then it should be disclosed and accessed to those people who need this information. So if I need, say, a summary of a project maybe in Menengai in Kenya, a project management plan, which I've been told that the summary of the assessment, the plan, the mitigation is in the plan, then why hide the plan in the website where I cannot see it? So it would be good if you click the project number, all the documents are placed there. So we are working with the organization also in Germany called Open Oil, and Open Oil has a portal called the WikiGuide. I'm just wondering, is it possible that the bank can also have its version of WikiGuide? Thank you. Thank you very much. This touch upon very important issues about access to information and disclosure from your experience. And yes, we are aware of your assessment of the disclosure policy of 2009. We are grateful to you, and that has helped us to inform the revision of the current policy. So this is we really appreciate that. Your engagement on the issue basis is also very important to us. Definitely, we take on board your assessment of the access to information on project-related matters, so we will look into that. But yes, you do have the information there, but it may not be obvious sometimes, but it's something that we are addressing in the framework of this policy as well. Now, we have heard from the panelists. I think we are going to open up for the rest of the audience for questions. You can direct your question directly to any of the panelists here. So I'm going to go this side to this side. We'll take about five at a time to give them maximum time to respond, and then we'll take another round. One, two, three, four, eight. Five here. And then we come back to the second row. Thank you. Je trouve que c'est un cas d'école qui pourrait inspirer les autres institutions au niveau de l'Afrique. Et cela montre que l'institution travaille, même si des progrès peuvent encore être réalisés. La question que je pose par rapport à toute cette innovation en matière de l'accès à l'information, c'est qu'elle le pose principalement, pour ce qui est des grandes innovations, sur l'accès à l'Internet, qui n'est pas toujours une réalité accessible dans nos pays. Alors, que fait la banque pour réduire cette fracture numérique, quand on sait que dans nos pays, vous pouvez passer un mois sans avoir accès à la connexion? La deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'open data. Combien coûte l'open data à un pays et comment le système
de rapportage peut aussi bénéficier à la société civile, quand on sait que nous aussi nous sommes victimes de cette demande d'information de par des différents partenaires, de par des différents services de l'État qui nous demandent les mêmes types d'informations que nous devons renseigner de façon diversifiée. Il serait bon que cette technologie aussi puisse être profitable à cette catégorie d'acteurs que nous constituons. Et l'avant-dernier point sur lequel je voudrais aussi réagir, c'est le cadre d'engagement et féliciter donc Madame Touré pour les progrès réalisés entre 2011 et aujourd'hui pour l'actualisation de ce cadre d'engagement. Je trouve que beaucoup de choses ont été faites et je voudrais aussi rassurer que par rapport à la participation en amont de la société civile sur la définition des politiques, programmes, pays, il y a des expériences qui existent dans certains pays qui pourraient être mises à contribution, notamment, je sais qu'au niveau du Burkina, nous travaillons déjà avec d'autres multilatéraux, tels que l'Union européenne, avec la programmation du 11e FED. On fait le même exercice avec la Banque mondiale autour des CPIA et les revues programmes pays. Donc, c'est une expérience qui existe et on pourrait effectivement apporter notre contribution sur la définition du process quant à comment associer la société civile. Je terminerai par une recommandation pour dire que l'Open Data et les innovations qui nous ont été présentées ce matin, c'est vraiment intéressant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réaliser un petit guide qui donne comment accéder à cette information, étant donné que si on demande de répliquer des formations, ça coûte parfois cher et que comme les ressources sont parfois limitées, s'il y avait un petit manuel de procédure, ça nous permettrait donc au niveau pays d'accéder facilement donc à cette information. Merci. Merci. Je voulais tirer mon chapeau au concepteur, développeur d'Open Data. Je suis un spécialiste de l'information documentaire. Il a parlé d'informaticiens, je sais qu'ils ont dû utiliser certainement les services de spécialistes de l'information documentaire. Je voudrais poser quelques questions parce que je suis sur un système d'information actuellement pour lequel d'ailleurs une demande de financement a été envoyée à la BAT, c'est celui de l'autorité des marchés publics de Mauritanie. Je voulais savoir, est-ce qu'ils ont fait appel à des services extérieurs, à une prestation extérieure, pour le cahier des charges, pour la conception, pour le développement. Comment est-ce que vous avez pu arriver à ce résultat, parce que là, vraiment, c'est du joli travail. Je voudrais aussi savoir, compte tenu de la somme d'informations qui va être stockée par rapport au serveur, où est-ce qu'il est hébergé, qu'est-ce que vous avez prévu, parce que ça va être un développement exponentiel, quand tout le monde se mettra à mettre des informations, quand vous mettrez vos informations, où est-ce que vous avez prévu des moyens importants en matière de serveur, etc. Voilà, thank you very much. If I have the phone, do I have the phone? Sure, yeah. Thank you very much. My name is Shirley Davis. I am working for the Anti-Corruption Commission in Sierra Leone. I would like to say thank you to the lady that did the presentation on civil society. We all know the challenges in dealing with civil society. As a commission, we have worked extensively with civil society, and sometimes the problems in dealing with our civil society is how to really manage the expectations once the information is let out to civil society. We know that there are times when information that is made available can be misconstrued by the very civil society that you deal with. How do you manage their expectations? Another question is that I acknowledge the fact that the web is a very good engine for information flow, but access to information must not just be restricted to web portals. It's
especially with respect to countries where the level of literacy is still very poor. What are the mitigating factors do we have in place to deal with this shortcoming? Thank you. Thank you. Engineer Bafo is my name. I work on the Ghana Energy Development and Access Project and Ministry of Energy and Petroleum. I have two quick questions. Looking at the SASCA data which you put on, since it's web-based, are you linked to, say, in Ghana, the SASCA service through internet? How do you update your information? Is it from the SASCA service to you, or is it demand? You demand it from them. I'm interested in knowing how you do it. Then, as somebody asked about these Wikileaks, it shows that how do you determine which information are sensitive for a particular country, and therefore, who gives permission? Do you seek permission from, I don't know, whether it's security services or the communication, whichever. So, if you can explain how you get your information and how you differentiate. Then on the civil society issue, from the public service view, sometimes, as the last speaker said, it could be sensitive as to who, which is civil society you are dealing with. So what is the criteria for you selecting these civil societies? Is it by, for instance, if it is an energy project, you look at people who are civil societies, who are energy experts, or, and how do you involve other not known civil society groups? For instance, in Ghana here, in the communities, we have opinion leaders like chiefs, like assemblymen, and those type of people. And their opinion are held high. In such cases, how do you get them involved? Because they are the leaders of the communities. And lastly, maybe let me ask, but do you extend any financial assistance to these civil societies in use? Thank you. Thank you very much. I'll take the last one from this side, from the lady here. You can press. Oh, okay, we'll come back to you. Bonsoir à vous. Et je dirais un grand merci à la. Moi, je me nomme Madame Touré Tata. Je suis du Mali. Et je tire vraiment un chapeau pour la Banque africaine de développement. Et surtout par rapport à tout ce qu'elle est en train de faire par rapport à cette société civile. Mon prédécesseur a pris en partie ma question, c'est-à-dire les critères de sélection, les critères d'éligibilité de cette société civile. Il l'a dit encore, comme c'est vraiment un fourre-tout aujourd'hui cette société civile, quels sont vos critères de sélection? Et puis, en parlant des domaines de collaboration de la BAD avec cette société civile, je voudrais savoir si c'est possible de... Quand vous collaborez à différents niveaux, quels sont les portefeuilles alloués, par exemple, aux ESC dans les services sociaux de base, la sauvegarde de l'environnement, etc., etc. Si c'est possible de nous dire à peu près les portefeuilles alloués à ces domaines d'intervention. Et puis, bon, je vous réponds, c'est un programme qui vient de commencer. Est-ce que la BAD a élaboré pour cette société civile, le projet mis en œuvre par la société civile, des indicateurs de suivi et évaluation? Bon, je pense que c'est tout. Merci. Okay, merci beaucoup. Osman, I work for an NGO in Ghana, Tamale. My question also going to the role of civil society. I must say that I've learned a lot this morning and this afternoon. But I want to say that listening to the presentation on the framework for engagement with CSOs. We talked about dialogue and consultations, outreach and communication, and also partnership.
But the issue of the role of society as watchdog, as you often call it, I didn't hear that very much. But in terms of what I've heard from the panelists and some of the experience from the different countries, I think that it's already happened, but I'm not seeing very much being described in the framework itself. You know, so I think that is my observation. I had an issue in the morning, but I don't know if I can address it, about selecting. I mean, the Vice President talked about expanding the the scope of funding, being able to fund the strategy. You are admitting new members. Is China going to come on board? China is already on board. Okay. Well, so my question is, do we have criteria about what kind of countries do we want to bring on board? Okay, thank you very much. I think we have taken enough questions to get back to the panelists and have their reaction to the first set of questions. Now, I gather from the intervention that we have a series of questions regarding the civil society engagement of the bank, the criteria for selecting them, the engagement mode, and then also the issue of funding civil society. And that, I must say, I was expecting that to come. So Zainab, I don't want to be in your shoes. I'm happy. So I'm going to hand over to you and react to the question that was raised. Okay. Bon, ça, c'est des questions auxquelles nous nous attendons. Hein. Notamment, je commence par le financement, avant de venir aux critères de sélection. Pour le moment, la banque ne finance pas la société civile directement. Les acteurs de la société civile reçoivent des financements à travers leur implication dans les opérations de la banque sur le terrain. Donc, c'est à travers les pays, à travers les opérations. Donc, nous n'avons pas de fonds directs d'assistance aux acteurs de la société civile. C'est des réflexions en cours. Comme nous avons dit, c'est un processus. Nous venons de loin. Déjà, nous nous engageons avec la société civile. Nous voulons voir les résultats à mi-terme de ce cadre d'engagement pour voir comment nous pouvons aller plus loin. D'abord, comment on peut les impliquer, comment on peut plus les impliquer de façon systématique dans ce que nous faisons maintenant, et puis à travers cela, après, comment nous pouvons les assister directement. Ça sera une autre étape. Donc, pour le moment, on n'en est pas là, mais, comme je l'ai dit, l'implication de la société civile à travers les opérations que nous finançons est déjà très élevée. Les résultats de l'évaluation sont en train de nous donner quelques éléments déjà, mais ils sont impliqués comme acteurs de... Ils mettent en œuvre un certain nombre de compartiments des actions dans un certain nombre d'opérations de la banque dans beaucoup de pays. Donc, ils reçoivent des financements à ce niveau-là. Donc, voilà pour ce qui est des fonds. Mais aussi, de plus en plus, nous avons des trust funds, des fonds bilatéraux que nous avons à notre disposition, qui sont logés au niveau de la banque, où certains bureaux du pays ont demandé un certain nombre de fonds où sont impliqués les acteurs de la société civile. Donc, tout cela aussi se fait à travers les opérations de la banque, que ce soit au niveau des pays ou au niveau sectoriel, et les organisations de la société civile peuvent être bénéficiaires à travers ces canaux. Maintenant, les critères de sélection. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes en train de mettre en place des critères de sélection. Pour le moment, nous avons une base de données avec des critères de reconnaissance. Ça, c'est le minimum de la reconnaissance dans le pays, la disponibilité de rapports d'audit, d'un certain nombre d'éléments de gouvernance que nous demandons aux acteurs de la société civile avant de les impliquer dans ce que nous faisons. Donc, nous voulons aller plus loin pour avoir des critères de sélection très élaborés, basés sur des faits réels et sur la pratique. Donc, nous sommes avec les consultants, justement, qui vont nous proposer des critères de sélection sur lesquels nous allons discuter avec les acteurs de la société civile. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, en termes de mécanismes qui est en train d'être mis en place aussi au niveau de la banque, c'est le comité BAD-ONG. Nous avons un comité que nous voulons mettre en place pour nous aider à opérationnaliser ce cadre d'engagement, qui est le comité BAD-ONG qui existait, que nous voulons réactualiser. Donc c'est un comité bipartite, organisation de la société civile et des départements de la banque. Donc, un certain nombre de départements qui sont ici. Donc, nous allons lancer le processus de sélection des membres au sein de la banque à travers les départements, mais aussi les acteurs de la société civile seront représentés par sous-région. Donc, chaque sous-région va avoir un représentant et donc
ce comité va, les modalités de les acteurs de la société, les membres vont tourner toutes les deux années, nous allons changer, il y aura une rotation pour qu'il y ait un certain nombre de que les gens puissent tourner à l'intérieur de ce comité. Donc c'est un mécanisme qui sera mis en place aussi pour nous aider dans un certain nombre de choses, notamment la sélection, les critères de sélection, les systèmes d'accréditation. Donc les organisations de la société civile, à travers leurs représentants dans le comité, vont être aussi des porte-parole des acteurs pour nous aider à travailler sur ces questions. Donc ça sera de façon participative et bipartite entre la banque et les organisations de la société civile. Donc nous sommes en train de mettre en place ce mécanisme. Il y a aussi quelques questions sur le... Moi, je suis du gouvernement. Et je sais qu'il y a beaucoup de membres de la société civile dans cette salle. Je suis, à mesure qu'on évolue dans la discussion, je suis en train de poser des questions. Et quelle est la finalité recherchée par la BAD avec la société civile demain? Je sais que dans mon pays, des institutions autres que la BAD appuient la société civile, l'Union européenne, la Banque mondiale, chacun trouve sa formule. Mais tel que les choses se passent, vous nous exigez au nom du gouvernement de nous ouvrir à la société civile. Et on découvre ici aujourd'hui que vous êtes en train de les organiser autrement et que même vos départements vont avoir leur ancrage auprès de la société civile. Bon, ce sont autant de préoccupations que nous avons, parce que demain, au moins de prendre des décisions et de faire des choix, quelle est la voie qui sera la plus prépondérante? Est-ce la consultation au niveau national? Est-ce la consultation de la FET ou bien des FET de société civile d'obédience reconnue au sein de votre institution, ainsi de suite. J'espère que vous allez tenir compte de cette analyse et que cette information, si qu'elle soit partagée auprès de toutes les parties prenantes, pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Voilà un peu la réaction que je voudrais avoir. Parce que à la fin, on se pose la question, que recherche la BAD avec la société civile, bien que tout ce que nous faisons nous demande d'être ouvert avec la société civile. Oui, on repasse la parole à Mme Touré. On reprend M. Diaby. Bon, je crois que la question est lancée à la Banque africaine de développement. La vice-présidente pourra répondre à ça. Mais par rapport à la société civile, je ne sais pas si on s'est compris. Le cadre d'engagement, c'est un cadre. C'est-à-dire, c'est pour faire face à la demande sociale qui est posée aujourd'hui que les organisations de la société civile veulent mieux connaître la banque. Ça, c'est indépendant de ce qui se passe dans les pays. Au niveau institutionnel, nous, en tant qu'institution qui travaille, qui voulons être plus transparents et qui demandons ça aux États aussi, il faut que nous-mêmes nous répondons, nous donnons aussi l'exemple. Donc, un peu, c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous ne voulons pas aussi arriver à travailler avec des acteurs qui sont externes à la banque et décider pour eux. C'est pour ça que nous mettons en place un mécanisme de collaboration et de concertation. Ce mécanisme, c'est un mécanisme de discussion. Ce n'est pas un mécanisme de décision. C'est un mécanisme de proposition à la banque. Par exemple, par rapport aux critères de sélection. La banque ne va pas se dire que voilà comment nous sélectionnons les organisations de la société civile. Il faut que ça soit discuté de commune partie. Donc, en fait, c'est un mécanisme de travail pour mieux opérationnaliser ce que nous avons décidé. Maintenant, au niveau des pays, les discussions, comme vous l'avez dit, les documents de stratégie pays, ce n'est pas nous qui allons vous dire quelles sont les organisations que vous allez inviter, qui sont invitées. Et c'est pour ça que le dialogue pays avec les acteurs non gouvernementaux est important. Ça permet, le dialogue permanent permet de construire des bases de collaboration, de discussion et des critères de discussion aussi. Donc, c'est un processus de plus en plus qui va vous amener à voir comment au niveau des pays, qui, avec qui travaille, c'est pour ça que nous allons mettre à la disposition des États la base de données de façon exhaustive dans un pays. Et puis avec des critères, avec aussi un mécanisme d'accréditation de savoir qui, de quelle façon cette base de données au niveau des pays sera avec les États que nous l'aurons, parce qu'ils sont enregistrés. Parce que la première chose, d'abord, il faut que l'organisation soit enregistrée et reconnue dans le pays. Donc ça veut dire que c'est des données gouvernementales que nous allons prendre par rapport à nos bases de données.
Donc c'est en concertation avec le gouvernement. Ces bases de données seront travaillées aussi avec le gouvernement. Ce n'est pas nous qui allons élaborer ces bases de données. C'est avec le gouvernement, bien sûr, puisque d'abord, il faut la reconnaissance au niveau du ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale. Donc, ce n'est pas une opposition au gouvernement, mais c'est un travail avec les gouvernements par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et le bureau pays, en concertation avec tous ses acteurs, va voir comment évoluer. Monsieur Diaby. En fait, on vient de nous introduire dedans. Ce n'est plus entre la BAN et la société civile. Maintenant, on est partie prenante. Je pense que c'est bon. Ce qui se passe souvent aussi, c'est qu'à partir des obédiences des ONG, les ONG peuvent être affiliées par exemple à l'Union européenne. Ils sont bien pour l'Union européenne. Il y en a qui sont bien pour la banque. Il y en a qui sont très bien aussi pour la Banque africaine de développement. Mais il peut se passer que dans le même pays, hein, on sait ça, c'est pas. Mais il n'y a pas de problème. Nous sommes ouverts, nous restons à l'écoute et puis on verra. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va, avant de... Bon, le temps nous fait défaut et on me demande déjà de clôturer. Ce que je vais faire, c'est de brièvement donner la parole à M. Louis pour sa partie, parce qu'il y a pas mal de questions sur l'accessibilité à l'information, le rôle de la technologie, et donc comment assurer que même ceux qui n'ont pas accès à l'Internet peuvent avoir accès à ces genres de données, et donc comment est-ce que vous gérez tout ça. Donc je vous donne la parole pour répondre à quelques questions. Merci. Ok, merci bien, Maït. Il y a eu un ensemble de questions. Je vais commencer par la question de Burkina. Que fait la banque pour réduire le papier numérique? Ah, là, c'est une grosse question. Mais je crois que, comme je ne suis pas seul, j'ai des collègues ici, à un niveau plus haut, on pourra répondre. Mais à mon niveau, ce que je peux dire, c'est que la banque a organisé une mission au Sud-Soudan. Nous sommes allés au Sud-Soudan. C'est le dernier état. Donc vous voyez un peu le niveau des infrastructures. Nous avons pu leur donner l'open data. Et actuellement, on peut avoir des données sur le Sud-Soudan. Donc, il y a déjà quelque chose qui est fait. Et il y a d'autres projets que nous avons initiés, par exemple dans le cadre du PCI Afrique, où on a même acheté des ordinateurs pour les pays. Il y en a même qui ont acheté des voitures pour faire des enquêtes. Donc, il y a des choses qui sont quand même faites. Maintenant, l'open data que j'ai présenté, vous avez fait la préoccupation de savoir est-ce qu'on ne peut pas l'étendre à d'autres services, même à la société civile. Techniquement, il n'y a aucun problème. On peut créer l'open data dans un pays, pour la banque centrale, pour d'autres organismes. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais le problème qu'il y a, on a une distance, nous, ça pose de longs problèmes de gouvernance. Dans les pays, disons que pour certains pays, il y a le système statistique national qui coordonne toutes les statistiques produites. Laisser le pouvoir à chaque groupe de mettre ses données et puis on va les mettre sur les nets peut avoir des problèmes. Donc il faut avoir un manuel vraiment de gouvernance pour savoir qui fait quoi dans le pays. Nous avons déjà fait la première monture, on est en train de donc c'est pratiquement finalisé pour cela. Pour le guide, l'anglais c'est déjà après le français. C'est en cours de traduction, on va le poster bientôt. Maintenant, la Mauritanie, comment on a fait pour recruter la firme, c'est un appel d'offres international. Je ne peux pas prendre mon petit frère public et dire, bon, développe pour moi. C'est un appel d'offres international, une entreprise a gagné, donc elle a travaillé bien avec nous, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les pays qui n'ont pas les capacités de l'hébergement, en anglais, on dit ça, c'est on héberge in the crowd. Donc, c'est dans les nuages, il n'y a pas de problème. La banque s'occupe de ça. Il n'y a pas de problème d'hébergement en ce sens. Maintenant, la dernière question pour le Ghana, qui actualise l'information dans tout ce que j'ai présenté? Ça, c'est une très bonne question. Qui actualise l'information? Les données que nous présentons pour le portail des pays, ce ne sont pas les données de la BADE, ce sont les données des pays. Vous êtes les premiers responsables. Ce sont les données des pays. Bien entendu, il y a deux niveaux. Les portails que je présente, c'est le portail du pays. Donc, c'est le pays qui a... Maintenant, pour des comparaisons, pour des calculs, par exemple, on veut calculer le PIB de l'Afrique, l'inflation pour l'Afrique, ça, c'est un autre domaine. Parce que là, c'est tout un ensemble de pays que nous comparons.
Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Par exemple, nous envoyons des missions dans le pays ou nous demandons à nos partenaires qui sont dans le pays de nous envoyer des statistiques sur les comptes nationaux, la balance des paiements, les finances publiques, les prix, le secteur extérieur. À partir de là, les données historiques jusqu'à 2012, par exemple, on garde les données du pays, sauf s'il y a des incohérences. Quand il y a des incohérences, on dit au pays, oh non, il y a une incohérence pour corriger. Maintenant, pour les estimations et les projections, par exemple, 2013, on n'est pas encore en décembre. Et puis 2014-2015, là, il y a une certaine latitude, on peut faire des projections, il n'y a pas de problème. Mais pour les données historiques, on se base vraiment sur les données du pays, sauf s'il y a une grande incohérence. Quand je parle d'incohérence, même il y a des grands pays qui font des erreurs. Par exemple, pour les comptes nationaux, exportation de biens et services, le pays dit c'est 100. Et puis, exportation de biens seulement dans les balances de paiement, c'est 150. Il y a une grosse incohérence. C'est-à-dire que les comptes nationaux, l'exportation de biens et services, c'est toujours supérieur aux exportations de biens dans la balance de paiement. Pourquoi ça arrive? Parce qu'il n'y a pas eu de réunion de coordination entre la Banque centrale et l'Institut de la statistique. Donc, ça peut arriver. Ça, c'est, on a déjà vu ça pour certains pays. Donc, mais en gros, pour les données historiques, nous respectons ce que le pays a dit, sauf si il y a des incohérences. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Bon, je crois qu'il y a deux, trois questions que je vais prendre moi-même assez rapidement avant de clore la session. Il y a cette question de comment faire la diffusion par le biais d'autres, par d'autres canaux que l'Internet. Voilà. Effectivement, on ne reconnaît que l'accès à l'Internet à la banque, en Afrique, est un des plus faibles. Ça, on le sait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à cela? Ce que la banque fait, c'est qu'il y a des publications que la banque fait en hard copy. Donc, il y a pas mal de publications de données de la banque. Tout ce qu'on a présenté ici aujourd'hui, il y a ces publications en hard copy que vous pouvez avoir accès soit à la banque à Tunis et puis plus précisément dans le bureau. Donc ici au Ghana, si vous allez au bureau, la réserve est là, vous pouvez avoir pas mal d'informations dans nos bureaux qui sont accessibles. Il y a aussi par le biais des universités. Je pense que la banque travaille avec pas mal d'instituts de recherche et des unités et des universités où on a pas mal de publications aussi. Donc l'accès n'est pas seulement via l'Internet, mais également dans la publication. Il y a aussi d'autres plateformes de diffusion des données de la banque, la recherche par exemple, qui est accessible aussi via d'autres chaînes. Je sais par ailleurs que, Zéna peut me corriger, que aussi dans les consultations, Anne aussi est là, dans les consultations des projets, on a aussi d'autres formes, ça veut dire les formes orales de diffusion de l'information que des collègues font, et aussi par les radios communautaires. Hein. Je pense aussi qu'il y a la télévision aussi. Donc il y a pas mal de canaux qui sont utilisés par la banque, mais c'est vrai que l'Internet reste aujourd'hui le moyen le plus dominant, le véhicule de l'information. C'est dommage, effectivement, que pas beaucoup de gens ont accès à Internet, mais ça commence quand même à s'améliorer. Mais on n'oublie pas aussi les autres formes de communication. Et je crois aussi qu'il y a aussi des traductions dans les langues locales de certains documents stratégiques de la banque. Donc si vous êtes par exemple en Mozambique, on peut arriver à trouver des documents en portugais. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans ce sens, mais ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait, mais je pense que plus on avance, plus la banque va essayer de... Je vais passer la parole à Madame la vice-présidente pour ajouter quelque chose. We sensitize staff that someone can come off the street. We have a lot of students who come and say, I need the following information for my research. And we provide the information to them. So we have the so-called internet access, but we're still, I would say, very close to our roots, and we also make sure that we're still in contact with the people. Decentralization is also helping us, because the same way someone in Tunis or in Abidjan can have access, the same way they can have access through any of our field offices. And so I just wanted to mention that. There's also a publication that we're trying to make sure that we have on an updated basis. And this is a country-based publication, the ADB and a given country, where we try to provide all of the information on our interventions in the country, both project or program-based interventions, as well as data regarding our intervention and regarding the country. What the challenge with that is, it's not always updated, but we're trying to make sure that that is regularly being issued.
I know that for North Africa, the North African countries, they've actually made this an annual requirement that we provide each year an annual publication about what we're doing in each of the North African countries and the progress that's being made on a country as well as a regional basis. And so I just thought I would share that. Thank you. I really have to crave your indulgence. We have to move on to the next. Session. And we can take on and then we'll take on some of the questions even over the next session. But do let us start the next session, save the questions, and then we're all here together for a week. Well, I leave tonight, but most of us are here for the week, and I know that my colleagues will be responding and will remain available to respond to questions. But thank you very much for your understanding. Okay, we're going to be talking about good governance, transparency, sustainable development, enhancing governance accountability, promoting access to information, and mobilizing people's participation for increased ownership of national development. And you know, we've spoken quite a bit about a lot of it this morning. So just to start off, I'm going to ask you, Mr. Commissioner, tell us what your impressions are, what it is that you've taken on from this morning's session, from what we've been talking about elsewhere, before we actually get into the subject. Sincerely, my impressions are great. I mean, I've learned a whole lot about the inner workings of the bank. I will hope that this kind of information filtered down to the average African in the villages to know how the bank operates. Sincerely, I know the bank is involved in the development, in the reconstruction of my country. There are many projects that the bank is undertaking, but I'm not too sure whether this kind of information that I've gotten today is people in Liberia have access to the kind of information. And I think if they do have access to this kind of information, they will appreciate the bank a little bit more than I think they are doing now in our country. I don't know what's happening with this. But my impressions are great about the bank. And I hope that these kind of discussions that are going across the tables here is encouraging. And if the level of participation is great and the experiences shared from other countries are great, so I think that the bank need to encourage this kind of thing. So I'm going to ask you the same thing before we get into it. Thank you. Unfortunately, I was only present for the opening ceremony and then the bank's strategy. So that is the flavor with which I come to this discussion. But I came in at the tail end of the last panel discussion, and I found it to be very lively and vibrant. And I'm sure many people were disappointed that you had to get here and move on to the next one. So all in all, I think it's been a fruitful day. And therefore, so because of that, just to refresh our minds a little bit, you know, Cecilia, I'm going to come back to you, and I'll come to you. I'm going to come to you, and I'm going to say, I want you to explain very succinctly the interlinkages between the DAI policy, the transparency initiative, and the fight against corruption in the bank's activity. If you can just talk a little bit, you spoke about it this morning, but just to refresh our memories and then to get us back into the discussion. Thank you very much, Anna. The interlinkages between the DAI as well as the fight against corruption. Corruption tends to be hidden, and corruption thrives on lack of information. And so one easy way of just reinforcing or strengthening the ability to succeed in the fight against corruption is making information readily available. And so the lessons we've learned is if people are aware of financing that is coming into their countries, and they are aware of the projects that are ongoing in their countries, and they are aware of the intended results,
also aware of the time that it's supposed to take for those projects to be completed, the checks and balances in the system, the sort of supervision and monitoring, instruments or mechanisms for the project. If people are informed, it makes it easy for them to follow what is happening and actually have an ownership stake. Because right now, we tend to, it appears sometimes that the citizens are not fully engaged because they're not fully informed. And so what we're trying to do with the disclosure and access to information, and that's why it wasn't just a disclosure policy and it wasn't just an access to information policy, but putting the two together to make sure that we disclose information and we also make it easier for others or for the public to access information that we're providing. And what we've laid out as our objective is that it's about us developing the continent in an open and transparent manner. So nothing is supposed to be hidden. And that this is the strength when it comes to the fight against corruption, that we're now operating in the open. And we're making it easier for us and all other players in development to be held accountable. Thank you. Thank you. Thank you. Now, Marie-Laure, you heard some people here asking, you know, we talk a lot about access to information, etc. Now, if somebody were to come to the Ghana office, for example, what kind of information could you give them? How would you give it to them? Can you explain a little bit to the people? Thank you. Thank you. I think that it's very important to say that we are all on the journey together. And we are all indeed learning. We are coming from a culture where we were proceeding by negative list, which means that everything is forbidden except the following, to a culture where basically everything is open, everything is available except the following. So I think it's a process, and I must confess that my team and I will have to quickly get on board on precisely what we can disclose safely and what we will still need. As we heard today, we heard that there is still a significant amount of information where we need to have the non-objection from the government. And I will need to get quickly up to date on that information. And I was discussing with the vice president, and I was asking her, you know, you need to establish a process quickly. You need to set timeline. You may have to ask the government to, if you do not hear from the government, it means that they do not have an objection. Rather than hearing from the government, we do not have objection. That will already help. That will prompt the governments in various countries to quickly get on board also. Because, I mean, for many reasons, the government may not see the letter and therefore may not respond. And the information will not be disclosed. So I think that this is probably some of the steps that we still need to work on. Having said that, once I am aware of all the information that I am able to receive, I think that it's important for my whole team to be equally open, because anybody who works in the African Development Bank office in any country in the world must know, because he knows that he can have access to the information, he must receive that information. What does it mean? It means that we also must be ready to have this information in a readily available format. As you know, we have quite a lot of information. A lot of it is in a jargon, is in format. And I was actually discussing again with the vice president and telling her that we will need help. There are certain countries where the civil society, the media, academia, it's a very vibrant. There is really a thirst for information. So we probably need to dedicate some resources to that. And I would like to say that because it is a process, we are embarking on the journey. We are certainly going to make sure that indeed what we say, I mean, we walk the talk, and that this information is available indeed. Last thing I will just say on this point is Thursday and Friday is actually dedicated to training all of the staff in the field offices in West Africa, just to make sure that they're better equipped to respond to requests that we expect will be coming from the public on, I mean, putting to use
the mechanisms that we have in place. Thank you. So this is very, very, very encouraging. So I'm going to come to you. You know, it's true that you have to have information in an easily digestible way and devoid of the jargon, so that people, especially civil society, can understand and use it well. But I also like to come back to you, Mr. Sawyer, for the government. What does this greater transparency and accountability, what does it imply for the government? Well, it implies a lot more openness and then a lot more accessibility to the players in government, so that as and when people need information, they could easily access it. And in that regard, it also implies some reorganization. And I think we started it in our ministry. There's a lot of information that is now available. For instance, in my division, we started putting out fact sheets, at least in my division, for the various projects and programs and for the various development partners that we deal with. So within that context, it is important. But one of the issues that we have to deal with is to sensitize the players in the field. My minister has no problem with that, but it cuts across other players in terms of other ministers and other stakeholders, how they would react to it. Because if I could just give one example, recently the IMF was in town and they discussed with the ministry and history the findings that they have come up with. We discussed it. And then they said that by tomorrow morning to be made available. And the minister said, okay. And it was done. So it entails, in short, more sensitization of the key players, so that they understand that we are now in a transparent world. So they have to come on board. They have to come on board. If I can just make some addition to what Cecilia said. In addition to what the bank does, they also, before a project is implemented, they launch the project. Yes. So that's a way of getting loan by the public. Mm-hmm. In addition, they also do sensitization workshops. Mm-hmm. That also helps to let people know that this project is coming on. But after the launching of the project, what else do they do? I mean, the sensitization, what does that entail, the civil society? The sensitization, they tell the community over there, those who go for the stakeholders workshop, about what the program is about, what they are stake in for it, and how they can participate in it. So when they the information, they can also ask questions as to how they can benefit from it or how it will affect them, especially when it has to do with civil works, road projects, or if they have to recruit people, they do those things to ensure that at least the public buy into the construction of those projects. Thank you very much. So, I'm coming back now to you, Commissioner. There's been a lot of talk about corruption. I think this morning you heard some of our colleagues over here saying that, all this is good, but what are we doing about corruption? Somebody, in fact, over coffee said, well, you know, Ms. Wasman, this corruption, it can never be eradicated, you know. So, from your perspective, or from an anti-corruption perspective, what are the main challenges that you see? What are the main challenges and successes in ensuring compliance from all the stakeholders, you know, to adhere to the principles of good governance? How do you see that as also being linked to aid, let's say, development aid? And do you think that corruption can be eradicated? That's a big one. That would be the last one. Thank you again. Corruption is a serious challenge in my country. Man, you have come from a country that had a very devastating war. A war that went on for 15 years. That broke down every fabric of government. There was nothing to call good governance, nothing to call accountability, and what have you. With the elections of Madam Salif in 2005, 2006, the first term,
Liberia now begin to put institutions together to deal with the issues of corruption and good governance. That saw the creation of the Liberia Anti-Corruption Commission, for which I work. That saw the creation of the Public Procurement Concession Commission. That saw the creation of a very robust auditing commission. That saw the creation of the Freedom of Information Law. Now, all these things are all intended to enhance good governance and accountability in my country. However, they have great challenges. Take, for example, the Freedom of Information Law. You pass the law, people are supposed to conform and use that law to enhance good governance, yet people do not know what the law is all about. I'm a lawyer. There's an action of law that says that ignorance of the law excuses no man. But truly speaking, I do not agree with that. A law is not a law until the people know what the law is and they are conformed to that law. You can't make a piece of law in the highly illiterate society that I come from, and you expect people to conform to that law if you are not educated to that law. You cannot make a law that required that you go through the PPCC arrangement to bid and all these kind of things when people are not educated about what the law is all about. So we can put all in place all these structures, all the laws, all the beautiful laws, if we do not educate people how to use these institutions, it will be just that you have not created them. And as the Vice President said, once there is no information, people are bound to carry on stories that will give the impression that indeed nothing is happening. If you pick up the papers on a daily basis, if you listen to the radio talk shows in my country, you will come to a conclusion, oh, Liberia is the most corrupt nation on planet Earth. You will come to that conclusion. But people come up with this kind of assertion and those kind of conclusions because they just do not know what is happening. So now government is going through beautiful things. They will wait, they will not put this information out. Somebody will come criticize them, then they come damage control. The question is, why have you not put this information out to the public domain to know? So yes, there are serious, serious challenges. As we speak, the Public Accounts Committee legislature, which you call Parliament in Ghana here, is holding a public hearing now for a backlog of audit taking place to determine what to do with those reports. So I think we are on the track, but we have more to do in my country. We have more to do, of course. Corruption, the institution that established to fight corruption, you must stand by to be challenged. Budgetary constraint is a huge challenge because nobody wants to capacitate you to run after them. Of course not. They're not going to do it. They will create all kind of bottlenecks to frustrate your efforts. But in the wake of all those challenges, we are determined to do what is required of us. The pace is slow, but I think the institutions year in year, they are getting a little bit stronger. And the more the institution gets stronger, the more they will deliver to the Liberian people. Presently, we have a regime they call assets. You declare your assets, your income, and your liability. That is required of every public official that is appointed by the president. Now, we finish with that stage. The next stage that we are on that creating serious controversy is that we have verified no assets that you declare. And of recent, verified the assets of a former government official. It was discovered that in June of 2012, he made a lump sum deposit into a commercial bank of $50,000. Fine. The question is, where is the source of this money? That may have provided, I don't know how many excuses are the source of that money that do not jive. So, we are getting somewhere. We are getting somewhere. And all this is there, enhance confidence in the government system. When the people have confidence, rumor mongering will stop, and confidence will come up in the government. Of course, we have made strides, but we have serious challenges. And corruption itself is a major challenge. With all these institutions put into place, all the loopholes trying to be covered, people are determined to steal and be corrupt. So the challenge is great. However, we are there.
Now, being very, very conscious of the time, and also being conscious of the fact that a lot of you have got questions, I'm going to open the floor now. But please, so that as many of you that want to ask questions or make contributions have a chance to do so, and we would ask you to be brief with your questions and your comments. And remember that when you do put your hand up and your call, please just tell us who you are and where you come from, very, very briefly. And I'm going to start from this way this time. Apparently I have to be, but be brief, okay, because we're going to take as many questions as we can. Thank you. Thank you, Chair. Je ne sais pas si je sais bien, mais je vais remercier la droite pour l'initiative. Il faut laisser. Attends. You have the translation? Is it working? No, it's not French. Okay, thank you. Mon nom est Alessai, je suis du Sénégal, la coalition des jeunes sur Paris. Accès à l'information, je voulais avoir la question de l'accès à l'information. Avoir accès à l'information pour l'information n'est pas une fin en soi. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on va faire de l'information quand on a en possession? Je vais partager une minute, deux minutes sur l'expérience de mon organisation dans un projet cher à la base de papier, de projet à la petite irrigation locale, qui a vu un projet similaire être primé en Ouganda, je crois, par le président américain. Je ne vais pas rentrer dans le schéma de projet, mais tout ce qu'on a fait avec ce projet. Nous avons tenté d'avoir accès, donc après les échos qu'on a eu du projet, nous avons tenté d'avoir accès à l'information pour voir ce que fait effectivement la PAC dans ma communauté. On a engagé le processus pour le projet de Satan et la base à Dakar. Heureusement, on n'a pas eu de problème d'accès à l'information. On a eu les informations qu'on a dont on souhaitait comprendre la base. Et à la suite de cela, on est parti sur le terrain, écouter les communautés, ma communauté, sur ce que fait la PAC. On a eu, à l'image des échos que la PAC a relayé sur son serveur, des échos favorables de ce projet, qui est peut-être érigé en modèle de bonne pratique. Ce qui est intéressant pour la suite, c'est qu'on a pu déceler à travers ce projet qui se posait un problème de législation d'accès aux bonnes terres et d'accès légal aux femmes aux bonnes terres. La PAC avait réussi à récupérer beaucoup de terres salées, mais les femmes n'en bénéficiaient pas. C'est les hommes après qui sont venus pour reprendre ça. On a porté ça à la connaissance de la PAC, qui a promis avec le gouvernement de la PAC de régler cette question d'accès à la terre aux femmes et aux bonnes terres. L'autre aspect, cela a permis à notre population de voir que la PAC, le projet qui va prendre fin en décembre, mérite d'être poursuivi, d'être renforcé. Et mon organisation, à la suite de cela, a offert au groupement de ma communauté, au moins quatre groupements, quelques 12 000 tonnes de semences politiques. Pour qu'ils connaissent les régions rurales, c'est quelque chose de très important. Donc ce que nous voulons en tant qu'ONG, quelqu'un l'a posé ici, qu'est-ce que la PAC recherche avec les ONG? Nous, au moins, on fait ce qu'on recherche avec la PAC. Nous voulons être plus au fait de ce que fait la PAC. Participer à la gouvernance de la PAC, de sorte à pouvoir influencer aussi bien les politiques de la PAC, mais également les opérations de la PAC. Depuis ce matin, on parle de transparence, réduction de compte, réduction des effets de la corruption. Nous voulons, en tant que coalition de la PAC, en tant que citoyen, la PAC c'est notre banque. Ce n'est pas uniquement la banque des gouvernements, mais c'est la banque des citoyens. Et nous voulons participer à la gouvernance de la PAC, que ce soit très clair. Si la BAD ne se donne pas les moyens, et je crois que la BAD va dans le bon sens, nous, on va se donner les moyens de suivre de toute façon à faire la BAD. On fonde beaucoup d'espoir sur les parts que la BAD a pleinement approchées. La BAD joue un rôle important dans notre pays. La BAD peut influencer effectivement la manière de faire le business. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pris dans ce que vous voulez. Et puis, on va vous répondre tout à l'heure. Alors, merci. Thank you. My name is Sara Lehui from Conscience International Liberia. I want to say thank you to the African Development Bank Group for this training session. You have provided immense information that will help us in our work.
However, I also want to look at the issue of corruption. Somebody mentioned the issue of civil society organizations and how they can be accredited to the bank to monitor projects that are being implemented by government. It is important that civil society organizations serve as watchdogs to ensure that the citizens benefit from projects. And so if they are doing the monitoring, it's not that they are getting paid by the bank, but they are interested in the general good of the population. So once you are working with the government, you are doing the right thing, there is nothing to be afraid. Government needs to understand that civil society organizations are partners in progress. We are only there to call your attention to something that is not being done the right way so that you can make correction and forge ahead. Like the councillor was just talking about the Access to Information Act. We have that in Nigeria. But to obtain the information is very difficult. You have the knowledge of this act that you must get information from government, ministries, and agencies in order to enhance your work. But when you go there to get the information, they create bottlenecks. In fact, they want to know where you work. As soon as you tell them you work with civil society, they refuse the information. They won't tell you no, but they will give you dozens of excuses. Dozens of excuses, just so you're not able to get that information to do your work and make actual report. So the law is there, but people are not implementing the law. The issue of bank projects, the bank is carrying a lot of projects in Liberia. One of the major things in Liberia that we have problem with now is road network. To get to the southeast of Liberia is very difficult. The distance is one day drive, but because of the bad condition of the road, sometimes it may be 1 week before you get to the end, other end of Liberia. And the road project from Fishtown to Carleton, which is in Harper, Maryland County, is a very good project. But the bank has been able to implement that project in Liberia to help the farmers. God enabled the farmers to take that food from the farm and carry it to the market. Now, there are issues of environmental concern. There are also issues of resettlement with regards to people who live in the way of the road. All right? Because that project is now beneficial, it will have to take time and with the information just being given to civil society organizations to be able to go in those communities and educate the people on how the bank project will benefit our life and if there is a problem, how those problems can be addressed. So the issue of civil society organizations being involved in bank project monitoring is very essential to ensure that the trickle-down effect is being felt by the local community. Like our councilor was talking about the Access to Declaration. People declare assets as government official. At the end of the day, when the check is done, you will find out that they got more than what they declare. And every day they will be making noise on the pop, on the radio station, in the newspaper. If you don't give the information to the public, you create a sense of corruption. If you are implementing a project and the information is flowing to the public, they have an idea of what you are doing. They will follow suit, they will participate. But when you conceal the information and then somebody trying to give it out, you say, oh, so what's the value of my negative information about government project is wrong. That information be provided to the people so they will have the time to participate and understand what is being done. Thank you.